Ok les gars, bienvenue au GoSport d'Annecy. Alors, juste après vous avoir prouvé que les habitants d'Annecy ne sont pas réels, on va chercher un... C'est quoi ce truc? Dimitri. C'est qu'ils vont juste dire, mais ne filmez pas s'il vous plaît. Ils vont juste dire, ne filmez pas. Regarde, je passe en caméra cachée. C'est en caméra cachée. C'est pas caché là. Si, regarde, il y a une caméra là. Regardez de couilles là. Et là, elle est au niveau de ta bite. Mais là, il est au niveau de ta bite. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi sur P? C'est moi qui fais le montage, j'en fiche. Ça va ici. Ça va ici. Ah putain, mais du coup hier je suis trop habilité au flash, j'ai toujours pas mes lunettes d'ailleurs. Surtout hier c'était des intros, là c'est plus intro, là c'est... on y va quoi. Bah écoutez, vous savez ce qui va se passer, que du banger, Ibiza, la folie quoi, la coke, David Guetta, Bob Sinclair, tout ça. Mais ça va très bien se passer, y a ma daronne, on va au moment de la laisser seule en train de enlever un siège bébé, le patriarcat, on en pense quoi, Ben Never, on fait une table ronde. Non, c'est regardez. Non, les gars, arrêtez. Attends, faut que je passe mon. Salut, alors, salut le vlog. Eh, mais c'est le vlog. On est calage de Guilhem. Ouais. On a déjà calé, on a fait 3 cm. Et c'est la hype. La hype est au max. C'est le train de là. Oh. Make it mine. Ça va, mec, on te dérange pas pendant que tu voles dans nos sacs. Ouais, ça va, petit voleur. Les gars, c'est qui avance tout le voyage? C'est qui conduit? Ok, bah, c'est okay, bon, c'est putain, bon. Tu vas continuer à mettre ta petite musique de salope là, ton Blackpink de merde. Tout c'est pas Blackpink. Tout le temps, il est relou. Hein, tes petites noaches là. Eh, hey, c'est pas parce que. Le principe de crise économique, on en parle? Ouais. Vous remarquerez que, en fait, c'est juste qu'on a instauré le capitalisme et à chaque fois, on voit que le système il fonctionne de moins bien en moins bien et on appelle ça des crises. Noah, est-ce que t'arrives à tenir le téléphone ou... Non! Ah Ah, c'est la première fois que je quitte Dijon et que je prends le péage. Let's go! Ouais, on emmène notre copain Gogol en vacances. Ouais! On emmène l'autiste, ouais! On le sort de là, ouais! Avec la sacoche pleine de puff. Les béchois nous salent, j'ai mes frérots à la table. Ouais! Elle est la vie de ma mère, elle est la vie de ma mère. J'ai juré, vous l'avez? C'est la première fois que je vais dans le Jura. Oh! Oh attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais le morceau est fini! Attends. T'as eu sans peine, jamais problème. Et toi, tu les sèmes, y'a pas de dilemme. Pas de je t'aime, y'a pas de poème. La vie que je mène est loin d'être qualifiée de bohème. Je vois tous ces jeux comme un sport. Là, j'ai tort, là, j'ai le mort. Pour être le plus fort, je redouble l'effort. Peut-être que j'ai tort, je vais. Tu vois avec les ballons, zipette, comme si j'étais Ronaldinho. Le terrain, c'est numéro 10. Sur un 3 millions, que les gars, c'est des clients. Numéro 10. À 150 et des plaques à 280 euros. Numéro 10. J'ai l'index de plus parce que la vie. Eh, venez, eh, la vie de ma mère, eh. Hey. Il y a pas une bande d'arrivée quelque part, vite, on les met. Jonathan Bamba. Le DFCO. Le DFCO. Je suis fan. Tous le grand-père à Louis. Attends, je vais lui penser dedans. Attendez, ça vient de les gars. Non, les gars, on peut pas lui dire ça. Comment je m'appelle? So, Hello Chris, la bague, tout ça. Vous allez bien, les enfants? Vamos, les gars. De la drogue, des gars, il y en a à l'appel. Le progrès, je suis gardé. Tout ça, comment je m'appelle? So, Manette.
sans y'a pas de distraction. Tout pas d'histoire sort. Ici y'a 10 heures. Ça rend la bonne d'art. C'est l'heure des gérants. Y'a des armes de poing et des fusils d'assaut. Ça pose des bagues à la merde. À cause de bouleversé par des rodéos. C'est devenu vierge, tu baisses salope. On a fait quoi de Roméo? J'ai vu qu'on encourage la violence dans la musique. Je comprends mieux pourquoi les jeunes ne veulent plus taffer à l'usine. J'ai vu qu'une femme ne peut plus se promener quand il me soit. On veut l'obliger à faire des choses avec une arme de rasoir. J'suis dans Paname, y'a pas de distraction. T'es pas salaire des gérants. Vamos a la playa, sous-pétré, j'suis sous Baida. Capucha Gamos, Vente, dans la calle la luta. Sur les quais, quoi que c'était, qu'on pull up. Les gars, si on est l'équivalent du groupe des filles de Julien Descoux, qui es-tu? Ah bah le gars, il y a un sujet là. Hugo, c'est Juliette. Hugo, c'est Juliette. Jacques et Rome mélange aux fruits du dragon. On fout des tentes dans un lagon. Tous les petits d'Alpes ils sont sous ballon. J'préfère drink des mojitos au citron. Crois pas le rap c'est énergivore. Faut bétonner le jour et la night. Un APS c'est califard corps. C'est pas un charbon qui vend du light. On veut produire la pépite. Faire 50k dans le bloc. Ça roule des pétous à l'avance. C'est ça les fruits de mon époque. J'mange du caviar avec des mains. C'est ça les fruits de mon époque. Et ouais ma vie c'est un film. C'est ça le fruit de mon époque. Tout le monde veut produire la pépite. Faire 50k dans le bloc. Ça roule des pétous à l'avance. C'est ça le fruit de mon époque. Je mange du caviar avec les mains. C'est ça le fruit de mon époque. Il s'énerve au volant. Bah, des stress, mec. Faudrait nous cracher. C'est à nous, c'est pas là. Mais là, c'est pas, c'est pas là qu'il fallait prendre les avant. Ah, faut filmer. Il a calé. Il a écrasé la vieille dame aussi qui est devant. Ah oui, il accélère. Hein. Attendez, y'a plus de son, donc faut arrêter d'écrire. Cherche une place. Cherche une place. Et est-ce qu'on va la trouver? Quel enculé la place qu'il est. Regarde quel enculé. Regarde quel enculé. Ça pue, non? Eh, jamais tu rentres? Je sais pas. Je crois que tu ne rentres pas. C'est un plan, ça. Un plan, ça c'est marrant. Rien à l'aide. Je suis très mal parti. Hé, on arrive à Annecy. Alors les mecs d'Annecy, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bah pour l'instant c'est très nul. Bah attends, c'est un peu honnêtement en première impression mais c'est voilà, là on va attendre de voir genre là-bas. Là-bas, ça, ouais, là-bas ça a l'air super. Ouais, il est super sympa ce petit bonhomme. Là, ouais, il est super sympa ce petit bonhomme. Il est rouge. T'es content notre copain Gogol de sortir de Dijon? Il y a aussi la rue de Bélair à côté. La rue des Fonds, la rue vivante. La mutuelle des motards. Imaginez si on faisait ça, mais tout le temps quoi. Vous vous rendez compte ou pas? De la folie que ça serait, genre la mutuelle. Bah, il y a des motards, mais genre il y a plein de trucs. Genre. Il est au téléphone. Putain, mais. Anna, je pas nous lâcher, pas de break. Hein. C'est Anna qui a. Non, c'est ma mère. Ah, ah bah, bonjour Karine. Petit mot pour Anna pour le vlog.
Anna, salut. Hier, j'ai eu deux bises à la part d'Anna, Louis. T'es jaloux? J'en ai eu deux aussi. Fils de pute. Hugo, petit mot pour Anna pour le vlog. Faites le H tous les jours. Et Alexandre, petit mot pour Clotilde pour le vlog. La chatte à la mer à... Ferme ta mère la pute. Ferme ta mère la pute. La chatte à la mer. Filme la voiture. Voilà, voilà. À la carte Snap. On cherche le lac là. Bah ouais, après il est énorme le lac. Mais c'est la quête ou quoi? On filme les enfants là? Non, bah arrête. Enfin, c'est filme-le, filme-le. Oh, c'est le lac, lac. C'est le lac. C'est le lac d'Annecy. Y'a rien, frère. Y'a rien. Y'a rien, j'ai faim. Rien. Y'a du monde, y a du monde au BK. Y'a rien. Y'a la petite carterie des Zazou. Zazou. Zazie vrai, Félix. Et Somalo. Sinon, on va au centre-ville et juste on cherche un truc à manger. Allons-y. On y va. Là-bas. Allons là-bas. Je suis en plan, vous partez. Bah regarde, ils partent là. Oui, mais vous aussi, du coup. Ah oui, putain, pardon. Faut qu'on parte. Faut qu'on parte. Ah, moi aussi. Et ça, c'est un. Ça, c'est un fleuve. Alors. Non, non, un petit message intéressant. Parce que je rappelle. Hein. Repsa Menel, capitalisme et le machisme. On arrête tout ça maintenant. Alexandre, la société. Oh, c'est en accord. Oui, non mais je traduis ce qu'il a voulu dire de son point de vue. Il a, en gros, sa pensée, c'est que c'est une invention féministe, la misogynie, et qu'en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est mon porte-parole. C'est comme la, c'est comme la pédophilie qui a été inventée par les enfants. Vous voyez, ça, c'est le tacos d'Annecy. Ah non, on peut marcher sur le marché en face. Le tien est très bleu. Ah non, c'est des montagnes. Okay. Autre chien, on laisse. Le mec ne sait pas qu'il me plaît. Il est venu tout gâcher. Ah, c'est vrai qu'il peut. Non mais regardez. Bah j'ai pas encore la vanne. Mais il la vanne d'HPI. Imaginez, il y a une vanne d'HPI de ouf. Oui, imaginez là. Ouais, ouais, mais ça manque de naturel. Ouais, c'est ça que naturel. Regarde, ça chante les cigales. Connasse. C'est Apolline qui fait. Apolline, je suis Apolline. Ah ouais, t'es Apolline du coup. Je suis pas Périne, hein, je vous le dis. Mais si, t'es Périne toi. C'est les gars, je ressemble en rien à cette meuf. Mais t'es Périne. Petit, chiant, drague énormément de personnes. C'est pas vrai. Il prend énormément de ratons. C'est faux de ouf. C'est pas vrai, je drague personne. Et je ne suis pas chiant comme elle. Elle est chiante. T'es super chiante, Périne. Je te le dis, hein. On casse tous tes couilles. On rigole, on rigole, on rigole. On m'a dit que vous la mangez. Moi, je peux plonger là. Regarde les canards. La traitance animale. C'est pas une blague. Repsamen. Apolline, elle maltraite pas les animaux. Et non. Et Max. Alors, Max, il maltraite les humains. Regarde ici. Quelqu'un m'explique pas. Comment on fait pour avoir une eau aussi bleue? Pourquoi on n'a pas ça? Le lac Kir, Repsamen. Le lac Kir, t'en as fait quoi? Le lac Kir. Pourquoi l'eau, elle est pas comme ça, le lac Kir? Reviens là, le préfet, là. Gars, comment tu m'expliques tout ça? Chamoine tir. Non, parce que. Chamoine. À chaque fois, le les mecs. Chamoine tacos, chamoine tir, j'en ai rien à branler, frère. C'est une dinguerie. Chamoine tacos, chamoine. Non, parce que c'est une dinguerie ce que tu nous fais. Mon gars Joe, toi, tu fais passer des chevaux à côté du lac. Eux, ils ont de l'eau bleue et des canards. Des canards, et où le canard? Et ça chante les cigales. La Pauline, quelle connasse. Allez, on y va. Voilà. On va aller tester. Salut, c'est comment ça allez, c'est parti. Bon. Bah, du coup, c'était trop cher en fait, fast food cuisine. Ouais, 14 balles, les 4 wings. Allez, fast food cuisine, écoute-moi bien là. Moi, je suis pas la pute du capitaliste, frère. On va te retrouver, on va te baiser la gueule. Vie sur Clotilde. Merde. Non, mais c'était un exemple de question. Ça mange. Et ça marche pour tout le monde. Tu manges quoi? Comme je suis HPI, j'ai juste pris un burger alors qu'ils ont tous un tacos de viande. T'as pris un burger tacos? Non, j'ai pris un burger, pas au tacos. Oui. J'ai pris un burger au tacos de Annecy. C'est le nom du truc, hein, vraiment, le mec s'est pas fait chier. C'est quoi ce que j'ai dans ta coque là?
C'est une place de cinéma et le Dancer message. Dancer in the Dark, c'est ça? Voilà. Pourquoi? En plus, les gens le filment, les canards. En gros, frère, filme des canards qui driftent. Voilà, il y en a quand si, celui là-bas. Les mains, ils driftent. Ah, c'est trop bien. Le mec, arrête. Hein. Coupe ça. Arrête, on va le reprendre pour le mec dans Fortnite. C'est vraiment. On dirait l'eau. Tu sais quand l'intérieur il est bleu. Il est blanc. Genre le fond. Le fond est blanc. Le fond est blanc ou bleu. Chien. Super chien. Super. Et eau, regarde. Et lac. Eh, c'est super Annecy. C'est super Annecy. C'est super beau, mais l'eau est fausse. C'est une fausse eau. Tout à l'heure on va sauter dedans, on va voir qu'elle est. L'eau est très fausse. En sens, je l'avais dit que c'était une ville de menteur, Annecy, c'est une ville de menteur. Ça se voit trop que l'eau elle a de l'argent, frère. Internet, les canards. C'est la plus dans l'épaule. C'est une antenne 5G, mec. Ils lui ont donné le vaccin au lac ou quoi là? Non, mais c'est quoi ce bordel? J'espère qu'il a pas fait sa quatrième dose. Il met des colons. L'eau, elle est tellement riche qu'elle a pas la bourse. Elle est de ta position. Oh, le flop. Waouh. Oh, mais c'était fait exprès. Non, mais j'étais pas sûr de celle-là. Vous l'avez la réponse. Mais est-ce qu'elle en veut à son père? Bah, je sais pas. Pour la bourse. La différence entre Guilhem et l'eau, ils ont pas la bourse. Bah, c'est une ressemblance. Oh, tu perds de ton niveau là, tu perds. Non mais il est tu perds de ma superbe. Mais non, mais c'est normal. Revenez, zappez le vlog de genre 5-10 minutes, tu vas revenir à son travail. Bienvenue à tous et à tous dans le vlog à Agde. Nous venons d'installer notre campement après avoir galéré de ouf. On n'a pas galéré. Et donc on n'a pas galéré. Les clés genre ce qu'on fait quand on part, on les met où? Moi j'ai mis dans mon sac. On les emmène tout le temps. Ouais. Donc, c'est ma voiture. Nous allons faire à présent un petit room tour. Attends, est-ce que je peux me changer avant? Room tour. S'il te plaît. Tu t'habilles comment? Attention, transition. Apolline va se changer. Mentir aux gens. Sur, ouais, tout le temps le prime. Frère, ça n'existe pas. C'est vrai qu'il faut leur montrer la réalité. C'est des tentatives, des tries, tu vois, tu tentes. Mais c'est que. T'essayes quoi. Dans une famille, il y a des déchets. Il y a les premiers jets. Et après, il y a les mecs comme Tom. Voilà, il y a les mecs comme Tom. Boutesque. Chabot. Tom Chabot, oui. C'est vrai que c'est un premier jet bien réussi. Malo, Simone. Un jet bien réussi. Le jet ski, c'est pas mal. Mega ski, mauvais rappeur. Excuse-moi, t'as filmé la beauté? Alors. Regarde, on est pas bien là. Père, t'es mal à père. C'est Nike. C'est Nike. C'est le lac. 6 heures, je regarde. Ouais, c'est que moi. 6 heures. Non, en vrai, c'est cool, mais en plusieurs temps, en plusieurs étapes. Ouais. Mais les gars, le parce que mais c'est dans ce qu'on filme là, il y aura masse de déchets. Hein. Enfin, non, mais c'est pas une inspiration directe. Mais c'est des déchets. Est-ce qu'il y a Hugo et Noah tout de suite, c'est des déchets? C'est ça que tu veux dire, Guilhem? Mais c'est lui qui parle. Mais pourquoi tu cibles les deux qui ressemblent plus à des Arabes? C'est quel racisme! Non, mais c'est le gang des moustaches magiques? Ouais. Ça te déplaise? Moustache magique. Ok. Moustache magique. Moi je me suis rasé, les gars. Je frotte, j'arrive sur mon nuage magique, je le fais comme ça un jour. Quand bah, on filme. Ouais, quand on même. Filme, tu vois. Mais ça reste entre nous. Tu seras ma Rosalia. Et je serai. Tiens, quoi là? Oh là là! Oh! Oh putain! Oh putain! Oh! Bon, les gars, vous êtes tous des abolis. Attends, t'as dit on a tous baisé Apolline là? Ouais, mais disons, on est d'accord. Ouais, mais, alors, wow, non, les gars, mais là c'est pour le content. C'est pour le content. Non, voilà ce mec. Non, là, non, fait fou. Je vais le buter, Il casse les couilles. Parallélisme. Parce qu'il fait des trucs d'autiste tout le temps, frère. C'est bon. On a compris, tu veux faire le mec différent? Et c'est bon. Parce que je vais pas gêner les gens que tu dois faire le mec bizarre. Carrément, il manque un chromosome. Vas-y, on va. Arrête de filmer, c'est bon, frère. C'est bon, fermez ta bouche. Il m'a touché la vite. Ok. Aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'on est devant le glacier Valentin Laperrière. Valentin Laperrière. Je suis Valentin. Qu'est-ce que vous consommez? Dégustation. Granita, citron, granita. Violette? Non. Licorne. Licorne. Et la granita. Oh. Menthe. Verte. Elle est verte. Elle est verte. J'ai senti. Qu'est-ce que t'as pris toi, Louis? Boule. Petite boule. Passion. Oh. Malabar. C'était une passion fruit. Passion Malabar.
la barre ça claque. Et en dessous, il y a une citron vert. Elle est énorme. Combien de prix? 6 euros. Yem, qu'est-ce que t'as consommé dans ta glace? Oreo vanille. Répète. Attends, ça me tue. Répète. Oreo vanille. So strange without you there, things have changed. When nighttime comes, there's a blanket of gloom, another teardrop falls in my lonely room. I said I ain't no love in the heart of the city. There ain't no love. Laurent Deutsch, le retour. Mais ça, je pense que c'est. Ah oui, il y en a un moulin, à eau. En gros, Rebsamen, l'assassin. Bah, tu vois, regardez, Bernard Bosson. Prends exemple, Rebsamen. Bernard Bosson, 83 à 2007. Ça fait 30 ans qu'il était là. Pas du tout, ça fait 20. 20 ans. Tu vois ce que ça fait de couper du louche et le suzon avec du goudron de merde? Tu vois ce que ça fait, Rebsamen? Voilà. Quand il est d'astreinte et qu'il y a des débordements de louche, c'est qui vient? C'est mon père. Et toi, t'as des problèmes d'astreinte avec son et non parce que t'es dans le quartier riche. Hey, Ferruja, j'espère que. Non, on a toujours pas vu ta nouvelle coupe. J'espère qu'elle sera bien. Ah, je suis coiffé. Bah, elle est déjà chez le coiffeur. Ah, j'espère qu'elle sera bien, nous, là. Bonne coupe. Bonne coupe. Ah. Celle que t'as lu à haute voix après, t'as fait. Ah, les enfants. Je protège les enfants transsexuels. C'est la merde. Voilà, vous avez entendu. Ah, je m'en bats les couilles. Je protégerai mes enfants qui seront homosexuels. Ils ont non, c'était transsexuels. J'aurais pas d'enfants. Tu as à ce point les Pink Floyd? Non, c'est. Ah, regarde, c'est par rapport à leur album, non? C'est pas ça? Si, l'album de Pink Floyd. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de fois, ça fait quelques années que l'album est sorti, non? 71. 60. Ah, les gars, vous rendez compte. Il y a de la musique qui sort encore maintenant, faut. Pink Floyd. Non, bah non. Pink Floyd du Damso, mais non. Non, les gars, on y croit pas, ça. On y croit pas. Fuck Perrine. Pas comme ça. Respect Hugo quand même. Oh, je le dis pas trop fort. Fuck Perrine, tu nous casses les couilles, putain. On rigole, mais c'est des vrais problèmes aussi, sur ce qu'elle a vraiment parlé. Il y a des numéros pour ça, les numéros verts de Bruno Attal, de Gabin Attal, Gabriel Attal. Les gars, les numéros verts, c'est trop important. C'est faux. On est parti, allez, parce que sinon on va jamais se lever, frère. C'est bon. Allez, sur le building. Hop. Oui, c'est à toi. Quoi? Yem, c'est à toi de te lever. Allez. À toi de te lever. Tellement choc bord. Et à toi Alexandre maintenant de te lever. Voilà. Lève-toi et marche. Ça va? Voilà, grosse ambiance comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est toi là du tout qui fatigué, frère. C'est vraiment là, on est au max du fun. On est grave fatigué. Non, mais le jet lag, on en parle pas assez. Non, mais. Les larmes racontent quand même. 10 minutes de jet lag. Pour moi, on a passé 5 départements. Alors, moi, ça me choque. Culturellement, je suis choqué. Oh, par contre, autre chose, c'est que la marche des fiertés. Gros choc, surtout pour un petit gars. Ok, les gars, on habite dans l'ascenseur. Il est en train de se recoiffer, tu peux le filmer là. Alors, tu pronostiques quoi? Qu'on est. Bleu. Ils sont en train de faire un appel. Bon, Michel. Ah, je crois que ça a déjà joué dessus. Bah, il a fait les deux siennes. Bah, non, il a fait les deux. C'est vraiment.
Une porte. Ouais, alors, il est vraiment en train d'ouvrir une porte là. C'est très important. C'est pas un scam, les gars, c'est pas un scam. Ça a l'air super fort. Les gars, je me suis jamais vu aussi bien que dans un salon. Oui, oui. Nous seuls, c'est mon miroir. Let's go! Et super, cette part, relou, quoi. 60 euros de ménage. Qu'on réalise juste une minute. Il y a quelqu'un là-dedans en plus. 60 euros de ménage. Il y a un rat, ouais. Ah. Non, attends, premier truc qu'on doit aller visiter. Premier truc qu'on doit aller. Petit classique. Il y a des, couettes, mais pas partout. Ouais. Mais très très bien. Vous avez des couettes et. Oui, un peu de couettes. Attends. Petite télé. Oui, je petite télé. Bon, bah, regardez, gars. Oh, oh non. C'est des points. Moi, j'ai une astuce pour faire. On va te retrouver, mon ref. Une belle journée sur Mana City, non? C'est une bonne journée pour la Wave Corporation. Oh mon gars. Bah oui, évidemment que c'est pas ça. Bloque pas la télé, connard, bloque pas la télé. On est bien là. Ah, on est young là. Et on va regarder South Park un peu là. Mais comment ça on doit pas le. Un ch. Tu parles nudiste? Mec, on est tellement hier, je suis vraiment pas nu tout à l'heure là, tu t'es fait dévaloriser la gueule. Le zizi. Et le zizi. Il a poussé quoi ça? La kikine. La guiguine pas sur la mon plumard, hein. La guiguine en folie. Mais c'est mon côté du plumard. Eh, hey, tu manges pas sur mon plumard. Regarde la vue. T'es mal à vue. Oh, le mec. Oh non, putain. Ça ferme pas à clé. Allez, vas-y. Non. Va chier. Non. Va chier. Non. Non. Pourquoi? Caca. Tu rentres dans les chiottes, quand je suis là, je t'encule ta grand-mère. Moi aussi, je ne t'approche pas. Non mais c'est toi aussi, toi aussi. Ah oui, moi aussi je t'occupe. Après être allé en boîte évidemment parce que moi j'en vous rendez vous, vous rendez compte. Vous savez que tu t'es fait sucer par la meuf qui nous a servi les granitas. Ouais. Dit, accompagne-moi pour que j'aille chercher Ah non, c'est toi qui parle. Le TPE. Énorme branlette de ouf. Un truc de zinzin mon pote. On était chaque bar, genre on était. Vous voyez la photo? Bah non, personne la voit. Écoutez. L'émoji. Ah Noah, connecte ton Spotify. Regarde pas détruire ma vie, regarde toi fuir la tienne. Tous les soirs on frôle la mort, le lendemain on fuit la mer. Que je garde près de moi mes ennemis, impossible moi-même. Tout ça on mettra son sort, en vrai ça sert. Regarde pas détruire ma vie, regarde toi fuir la tienne. Tous les soirs on frôle la mort, le lendemain on fuit la mer. Que je garde près de moi mes ennemis, impossible moi-même. Des parents plutôt sévères, en vrai ça sert. De ton équipe t'es l'un des plus déterres, en vrai ça sert. Faire de la promo, faire de la scène, en vrai ça me saoule. Mais en vrai ça sert, c'est comme là ça sert. En vrai ça sert. Vélo c'est connu, de façon tout ce qui ne sert pas. En vrai ça se perd. Si je veux plus te voir disparaître, ne me cherche pas. Un vrai Casper. Je me fous du détail, je veux le prix de la quête plat. La mieux visée. En vrai ça sert, on cogite comme des secs pas quand c'est laser. 2, 3 Rose. Il m'a lâché des questions comme si c'était un truc évident que tu. Je sais. Elle est tendue, le garçon. C'est un ancien professionnel de football américain. Mais il s'est fait les croiser un peu comme Amine. Amine McTroube. Le vent, le vent, le vent. Le vent. Non, qui t'empêche tous les cœurs à la fenêtre. Major mouvement. Deux ans. Eh, bon, messieurs, hein. Tu travailles bien le nôtre, dis donc. Tu fais quoi comme exo? Tirage latéral, tirage horizontal? Un peu ascenseur. Ascenseur 2.
Mais il est peut-être dangereux. Artiste chevronné, les étoiles cheveux frôlés, une barbe et des cheveux crôlés, qui traite voyant chevrolet. Tu veux fumer sur ma tige, ok, je crois que t'as disjoncté. Disjoncté, disjoncté. Un étage de plus à Malia. Ok. J'ai tendance à. Pourquoi on n'a pas acheté un soft star tout à l'heure? Salut à tous, c'est Juliette, on se retrouve pour un nouveau vlog du mois de juillet. Salut. Hey Perrine. Oh Perrine. Hey Perrine. Perrine, arrête-toi là. Fais bien la Perrine. Alors le sac du cachou, ça veut lui faire le cul. Alors le gros geek. 8-9 représente. Ripo. Oh les gens, Lyon. Lyon, Auxerre. La JIA. 74, plus la merde. Plus la merde. Plus la merde. 67, plus la merde. Ripo. Et puis tout ça merde ici. Plus la merde là-bas. Hey, y'a plus de réseau, plus d'appel. J'ai plus de réponse, plus d'appel. Avec l'argent du dernier casse. Elles savent ce qui se passe. Aucun homme à bord du vol. La toute première règle du code. Les bijoux des robes de luxe. Du ton dernier. Un plan efficace. Les cagoules et des. Deux bouteilles d'eau, une bouteille de lait, un pack de bière et que des sandwichs. Et les saucissons. Et ah, y a des clés. Là, il y a des crackers. Les lions pour demain, là, c'est le repas de demain matin. Mais Noah, t'as pas dans les lions. T'as peut-être, c'est mort, c'est mort. Mais Noah, t'as pas dans les lions. Les gars, un matin, je vais l'enculer, un paquet. Bah oui. Besoin de conseils. La BU 3F est ferme pour les vacances. Oh mince, non. Besoin de conseils financiers, de conseils en crypto-monnaie. Contactez-moi, je travaille pour CryptoJoris. Enflure. CryptoJoris. Tu veux faire, s'il te plaît? Attends, parfois j'aimerais parler des interventions d'Alexandre et du fait qu'il a 8 propriétés à Annecy, parce qu'il n'y vit jamais, du fait qu'il se croit chez lui, alors qu'on n'est pas chez lui, il se balade dans la rue. Genre il choisit le chemin. Il prend des routes tout seul et personne ne dit rien. Il est tellement. Encore dû subir cette nudité. Moi? Moi ça me perturbe. Enfin ça me perturbe même plus en fait. Attends, mais tu ne te rappelles toi? Non, pas trop. Ok, ça va. Pas trop. Là, je n'en peux avec lui. Donc, oui. Sortez de ma chambre! Sortez! On sort. T'as la règle ou pas? Un bowling. Non. C'est de la télé-réalité. Périne! Il va falloir cesser. Non, faut cesser là. Hein. Est-ce qu'on a fait un room tour de l'appartement? Oui, je crois. Ouais. Parce que c'est difficile de faire un tacos dégueulasse. On a du truc dégueulasse de base. Pour l'instant, je suis très déçu aussi de la jante féminine présente dans cette ville. Y'a rien, frère, avec des darons de nazis de 40 ans, frère. Tu regardes mal. De quoi je regarde mal? Tu regardes mal? C'est dingue, y'a combien d'étiquettes? Non, y'a pas de décapsuleur. Oh non, tu fais avec les doigts, avec les dents. Y'a pas de décapsuleur, genre dans leur putain de baraque. Ils sont embriqués. Faut me regarder. Oui, très vite, vraiment. Oh putain. Attends, frapper ici. Tout à l'heure, il a menacé de frapper dans le... Ok, c'est bon. C'est un peu son terrain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, de quoi tu jacques? Pas t'inquiète, là, rien. Ici, on baise tous les marquis et les marquises. Et Marceau. Oh, ouais. Et les maquis, parce qu'on est tous nés aux nazis. Pardon, wow. Ah bon, pas encore insulté Repsamen du coup. Insulté Repsamen. Bon, bah là on est dans le bus. On va au live. Comme vient de le dire le Beaugé. Bah, bus gratuit. Bus gratuit l'été. Bah oui, bah c'est ça en fait la France. C'est la collectivité, la participation commune. Les touristes et la RATP, on vous retient aussi. À baiser les touristes étrangers. Et ça va au-delà des convictions sociales, de la marche, de l'environnement, je sais pas quoi. Non, c'est juste du bon sens en fait. T'es d'accord? Voilà, non mais reviens sur moi s'il te plaît. Putain, moi je te le dis. Il va pas passer le week-end, là, je paye de mes deux. Je vais lui refaire le portrait. Je suis un producteur de série. Tout le temps, il ouvre sa gueule, mais regarde-le. Mais tu dis rien de pertinent. Tu fais rien de pertinent ou que Perrine mente? Ça n'a aucun rapport. Tu que Perrine, elle mente? Mais qu'elle mente, sérieux. Qu'elle arrête de jacter. Mais non, si elle ment, ça veut dire qu'elle parle, qu'elle arrête de parler.
Si elle ment, ça veut dire qu'elle veut pas baiser Hugo. Waouh. Le flop. Oh. Avis sur les filles d'Annecy. Bah franchement, il y a des très belles personnes et comme il y a des personnes un peu moins belles, mais enfin c'est un peu la société, de toute façon c'est les goûts et les couleurs de chacun. T'as Madame Pikachu, franchement elle était à la Pride. Mon ref, si tu passes par là, bah ajoute-moi sur Insta. Ça fait deux messages avec dans la même. Hugo HRC, ouais, beaucoup de messages. Hein. Bon, en général c'est une vie très sympa, mais c'est quand même beaucoup rempli de darons. Et surtout allemande. Mais c'est pas grave parce que ce soir on va en boîte. J'aimerais t'étonner, j'aimerais pénétrer, mais d'abord pardon. Verse une goutte sur la route pour les piétons. Nous roulons sur la côte, nous cotons. Quatre sunnis sur le pare-soleil. Insolation comme s'il y avait quatre soleils. J'ai un rhume entillé me soigne en bassine. J'ai un tube en été, un autre en vaseline. T-shirt mouillé conteste vu le casting. Ne reste pas comme... Allô ? Ok. Et voilà, on est parti hein. C'est blasphème, frère. Tu critiques les religions, tu leur chies. Qui critique ou qui tu lui chies la gueule? Bah, ça dépend. Tu peux faire les deux, c'est blasphème, quoi. Si tu fais une vanne par une religion, tu. Au moment, tu dis. Bah, par exemple, le mec qui a mis God is gay, tu vois, c'est du blasphème. Ouais, mais en fait, pour moi, il y a deux blasphèmes. Il y a genre, tu critiques, tu remets en cause, et l'autre, non, tu juste pas tu la chies sans respect, le vois. Blasphème. Ouais, l'homme chien, il est trop mignon. Désolé, s'il y a à manger. Oh, oh, je... oh. C'est vraiment cool ce chien. Je l'ai vu le clébard, j'avais envie de le prendre. Du coup, Alexandre, est blasphémateur ou être homophobe? Le pire? Bah, en vrai. En vrai, homophobe. Oh, putain, merci. T'as de raison. Quoi. Et toi, Louis? Bah, être homophobe fois 1500. Le mec le plus gay de ce groupe. Et avec les placements, tu montes Gold 4. Là, Noah, deux, trois games, hein. Tu préfères être en état critique ou critiquer l'État? Critiquer l'État tous les jours. Faut que l'État, faut que Macron. Faut que les dirigeants, faut que la classe haute. Non, mais en vrai, là, je pense qu'il faut que les sauts de classe. T'as vu? T'as vu bien que je laisse. Regarde, là je laisse mon corps vivre. C'est incroyable. C'est pas beau, mais en plus. C'est le goût, je trouve. Ça joue bien. Bah ouais. Ah ouais, après, ça met, c'est très bleu quoi. Tu vois, tu peux lâcher, je te jure, Guilhem, tu peux lâcher. Fais confiance, ma biche. Attends, parce que je me nettoie tout de suite. En gros. Ok, les gars, il y a 40. Petit cadeau pour les abonnés. Ok, les gars, il y a 40. Petit cadeau pour les abonnés. Ok, les gars. Traduit pour les abonnés. Ok, les gars. Rien que trop pour Bébé Jacques. C'est le cœur, enfoiré. Nous sur le lac d'Annecy. Je voulais t'oublier. Il y avait des hameçons. Fuck off, Van Fried. Il y avait des hameçons. Ah, vas-y, c'est qui ça? Est-ce que, pourquoi il a pas dit le lin est rose comme les falaises d'Annecy? C'est un nombre incalculable de choses. C'est rose. Bah, il ne pas, frère. Choisis cette vocation. Personne t'a forcé, là. Non, parce qu'à un moment, il faut arrêter de se plaindre de les prédestinations, tout ça, tout ça.
C'est toi qui fais. En fait, c'est le. Tu vas la fermer ta gueule, l'HPO. Putain, mais il nous fait chier, ce mec. Non, mais moi, j'ai des choses à dire. Mais c'est Kant qui a dit ça, c'est Kant. C'est pas Sartre, c'est Jean Calvin. C'est Jean Calvin. Jean Calvin. Sur la prédestination, mouvement du 16e siècle. Jean Klein. Jean Calvin, c'est Étienne Klein, à la limite. Jean Calvin. Rien de plus, rien de plus, rien de plus, rien de moins. Sartre opposé à. Rien à branler, le livre à. Oh putain, j'essaie de. Jean Paul Sartre, Simone Veil. Des mineurs. Avec la vie. Non, arrête. La folie. Hugo, je l'ai filmé pour toi. Filmé pour toi. Tu m'enverras les vidéos sur un drive. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, c'est la voix qui vous parle, blablabla. T'expliques le plavon, là. Le plavon? Ah, faut que je l'explique vraiment? Ah, j'ai... Ouais. Bah là, on va regarder où on est, juste. C'est incroyable. Magnifique, bonne ambiance. C'est magnifique. Bon, voilà, on a un peu tout fait. On est entouré des super copains, en plus. Voilà, c'est trop bien. On a caché le plan de la staff. Ah. Avec ta petite moustache. Toi, ta moustache... Timide. Tu viens de gâcher le moment non, de bref. Moustache man. Bah du coup tu feras pas de montage. Qu'est-ce que je voulais dire, coupe. Bah le plavon là c'est. On sait. Lieu merveilleux. Quand le ciel tombe. Oui le ciel pleure, tout ça. Ok c'est bien Lianqui, super, merci. Allez on passe. Donc là on va au pont des amours. Et le but c'est on va faire un petit message gaulerie ou non, très sincère ou pas, à une personne. À une personne destinée, citée ou pas, bipée ou non, l'avenir nous le dira. Prochain album peut-être pas. Je vous aime. Tu veux le faire à qui? Il y a Alexandre qui vient me voir pour me dire il sait pas à qui faire son truc des amours. Encore ces trucs de Dark Sasuke. Hein. Ouais, ça y est. Hein. Okay. Regardez, il y a un petit pont, trop choupi. Mais c'est pas le pont de l'amour. Il y a un petit peu aussi. Il y a le prévu de mentir. Il y a une femme, Thomas Jure. Bonjour monsieur. À droite. On cherche le pont des amours. Spider-Man, viens nous aider. Pas trouvé. Bon, le HP, tu vas le trouver, ce putain de pont. Spider-Man. Les gars, c'est vraiment où on était. Mais oui, c'est là-bas. Normalement, c'est lui. Bah, lui. Non, mais c'est non. Pas lui. C'est vraiment mais le pont des amours. Trop nul, frère. Il y a marqué pas trop fréquenté, pont des amours, pas trop fréquenté. Ah oui, oui, c'est une période de désolation d'amour. Voilà. Les gens n'ont plus ça. Envie de faire l'amour. Ah, sérieux. Là, votre presque 43% des... Non, mais de faire l'amour au sens essentiel, le romantisme. Faire la cour, faire la cour. Comment on l'éteint, ce putain de télé? Je veux trop être la star de ce vlog. Lui, ouais. Oui. Mais mérite. T'as besoin d'attention, ce mec. Alors que toi, attends, toi Louis, t'as pas beaucoup. Et moi, je veux qu'on aille genre là, en fait. Parce que. Mais ce vrai, c'est oui, voilà. Et donc, ce serait parfait. Moi, je suis pas la star, moi, je suis en caméraman, je suis réalisateur, c'est mes idées. Je les mets en scène. J'ai des petites marionnettes pour faire ça, comme lui. Marionnettes. C'est quoi d'être un marionnette? Transition moustache. Tu vas le faire pour qui, Louis? Je sais pas. C'est vrai? Si, je sais. Ok. C'est vrai, je l'ai dit. Qui passe en premier là? Bon, oh, alors là. Tu me dis quand ça filme? Ça filme, ok. Bonsoir, le vlog. Alors, on est devant le pont des amours. J'espère que vous avez aimé la transition moustache. Et voilà, je voulais faire un petit big up à monsieur Jeannin, notre prof d'histoire du droit des obligations. J'ai adoré votre calvitie en forme de bite, ça m'a beaucoup fait rire toute l'année. C'était mon principal gag dans vos cours où je ne suis très peu allé. Très intéressant en tout cas, force à vous pour. Le droit médiéval, Clovis, tout ça, on est ensemble. Mention spéciale à Naples, sinon je vais me faire tabasser. Cette film là. Salut Perrine. Je voulais te faire une petite déclaration parce qu'en fait, depuis le début, je te kiffe. Je suis super amoureux de toi et j'aimerais bien qu'on fasse un petit date à West Africa tous les deux, qu'on se retrouve, tu vois, pour discuter, pour qu'on puisse en apprendre un peu plus l'un sur l'autre parce qu'au final, je t'ai taclé, mais j'ai pas vraiment appris ce qui était. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta personne. Je veux rattraper vraiment le temps qu'on a perdu tous les deux. Et je pense que on a plein de belles choses à vivre ensemble. Alors, bisous ma pépé. Salut à tous, c'est le vlog. C'est le pont des amours. On est très moche, on est très déçus. Et du coup, big esso à Clotilde. Franchement, on s'est rencontrés, c'est amour fou entre nous, je le sais, entre nous. Quand on se voit là, il y a la petite pépite et tout, tu me casses vraiment les couilles, ferme ta gueule, vraiment. Arrête de parler, parle trop. Mais notre nom, il est scellé à jamais. Rue Monge à côté là, il y a un truc marqué Alex plus Clotilde. Alors, les gens vont pas me croire.
mais je pense que c'est Hugo et Louis complètement torchés un soir qui l'ont fait. J'en suis persuadé, ne mentez pas et la terre est plate. Merci à tous. Bah voilà, bah Zelda, c'est pour te rappeler pendant un an, j'étais amoureux de toi. Ça, c'est un rappel, voilà, vraiment, je te kiffais trop. Je me rappelle, tu parlais à des mecs, j'avais trop la haine, j'étais grave ton pote et tout. C'était trop drôle. Bon, tu le sais, je te l'ai dit, un soir, t'étais un peu bourré, peut-être que t'as oublié en vrai. Hein. Voilà, je te rappelle pendant un an, j'étais complètement amoureux de toi, maintenant plus maintenant, et je te trouve toujours vraiment très, très belle. Mais voilà. Bisous Zelda. Mais non, mais c'est compliqué, frère. Mais en fait, j'ai rien à dire, donc on est seul. Salut. Il y a le pont des amours et tout, il y a le délire. Je me suis mis dans la mer tout seul. J'ai écrit, je vais arrêter de faire le gadjo. Petit poème, S.O. Lila. Qui s'appelle Lila, le poème, oui. Je S.O. mon propre poème que j'ai écrit. Je suis hashtag il, je pense à hashtag elle. Je m'ennuie, mais tu m'engraines. Tu m'écoutes quand je pleure à l'heure passée. Bouquet de fleurs ne peut faner. Très loin des Rosalie, tout près d'Annecy. No more Suzuki, no more Panini. Cette ville m'a tout pris. L'amour m'a tué, m'a shooté le cœur. Elle nique sa mère, tout ça, fuck, c'est fini. Y'a pas de vie après la mort. Fuck off, vive l'eau. Ça se trouve, le mec il dort sur le bateau. Je t'en vois pas. Il dort sous la bâche, là. Ouais. C'est l'investissement. Pas une deuxième fois. Ce lieu est un nouveau trauma dans ma vie. Ouais, t'es super cool, ouais. Ah putain, mais tu filmes, je vais rester une photo. C'est mouillé. C'est quoi, c'est une balade que tu vas faire là? Ouais, c'est. Bon, je trouve que c'est du bullshit, ils auraient dû mettre un vrai Lotus. Je me répète peut-être hein, dans ce vlog, mais Annecy, ville de menteurs. Ville de menteurs. Déjà, 2-1, on récapitule quand même les infos de la première journée. Les gens ne sont pas réels, la ville n'existe pas. Oui, l'eau, la couleur de l'eau, très bizarre. Le lac, terraformé. Le Lotus. Ah, attendez, les gens veulent prendre une photo. Il est pas prêt. Bon, attends, non, parce qu'il y a des gitans qui viennent faire chier. Les gens veulent prendre une photo, nous on tourne un film, monsieur. Comme par hasard, quand on commence à parler des choses qui fâchent. Voilà. Moi, ça, je pense nous cancel. Que... C'est ça la cancel culture, c'est ça. C'est ça la cancel. C'est ça, hein, vous faites. Bravo. Epsamen, tu vois ça? Ok, cinquième preuve. C'est pareil, un passage piéton souterrain dans une ville, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La route, elle se passe super bien, la route. Eh oui, surtout que il n'y a pas de gare. Alors ça arrive dans des gares pour passer sous les rails, je veux bien. Oui, là il n'y a pas de gare. À la limite. À Dijon, ça existe. Dijon est une ville réelle, on y est tous. Oui. Alors mais que là, Metz, là où va Malo? Oui, alors Metz n'existe pas. Malo et Nips ne vont pas à Metz, on ne sait pas où ils vont. 64 mesures de spin, j'arrive, je débarque dans la piscine. Rio, c'est ça, oui. Repsamen, j'ai trouvé. Je veux passer à la figure. Raquel. C'est l'entourage, Paris Sud, Paris Nord. Je vois le feu de mes bombes, puis le bombe de mes bombes, pom. J'entends le bruit des bombes, pom. Soit avec les fleux qui vivent avec Macron. Hein, une île de rap, je suis Lila. Je suis il, je pense à elle. Tu m'ennuies, tu m'engraines, tu m'écoutes quand je pleure. À l'heure passée, bouquet de fleurs ne peut faner. Ouais. Très loin des Rosalie, tout près d'Annecy. Non, non, je vous guide. Non, non, Vanille, non, j'ai vu tout m'a tout pris. Eh, l'amour m'a tué, il m'a shooté le cœur. Elle nique sa mère, fuck off. C'est ça, c'est fini. Vive l'eau, nique la mort. C'est la rue des Flatteries. Rue des Flatteries, petit jeu. J'invente toutes sortes de jeux. Passage de Lille. Passage de. C'était tout ça, Tem Benarfa. Passage de Lille. Qui était de passage de Lille? Passage de Lille. Li. 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 Litri. Enfin, un jeu de mots avec Li. Il court, lui. Il court, la vie ici. Il est con. Il est con, la vie ici. Il est con. On revient vers la moustache. Mais les gars, venez, on descend. Oui, on peut aller. Venez, on descend, on va voir par là. Envoyez-moi un mail si vous voulez qu'on descende. Il y a des gens qui y vont, regarde, ils sont prisonniers. Oui, on y va. On y va. Putain, mais frère, j'arrive plus à parler français. Mais les gars, venez, on passe par là, ça mène vers la rue Filatrie. Et on fait des compliments. Monsieur, madame. Tu gênes les gens, tu gênes les gens. Non, mais tu gênes les gens. Monsieur, madame. Tout à fait. Ah merci, voilà, madame. Madame. Pardon, vous pouvez l'insulter. Pardon madame. Vous pouvez lui péter la gueule si vous voulez, y'a pas de soucis. Vous pouvez lâcher le chien, madame. Mademoiselle. Pardon. Mademoiselle. Ah, pétez-nous la gueule aussi, vous. Ok les gars, alors petite exploration. Flash moi. Ah ça va le faire, attends. Attends, mais regarde, ok. Ok la team. Tu sais, je crois que c'est bouché. Oh, j'en vais ça. Oh, ouais, super bien. Ça pue la merde. Ok, il y a un vélo, putain, mais il est super mousse, tu penses? Frère, on est vraiment remonté de 500 ans dans le passé.
Voilà, bon, ça on fait découvrir pour Juliette. Voilà, Juliette, j'espère que t'aimes bien cet endroit. Ce moment du vlog, il est lié à Juliette. Dédicace à toi, Juliette. En gros, c'est ce que notre amitié avec toi nous inspire. Voilà. C'est un peu abstrait, mais c'est cool. C'est cool. Voilà, j'espère que t'aimes bien. Et là, on va repartir dans l'autre sens parce que ça commence avec. Tu vas te laver avant de dormir. Danse. À quatre pattes. Ça, un peu le sol. Chante. Ah là, mais laquelle? Tu chantes quelle langue? Raciste. Italien. Cancel-moi ça. Italien. Italien. J'étais tranquille. Venez le montage. Mais c'est une langue que j'invente. Jugez sur les langues aussi. Mais t'écoutes des J.R. Tolkien. J'étais tranquille, j'étais pas là, cool, et au flipper. Vas-y, me casse les couilles. Depuis que j'ai du talent, depuis que j'ai du buzz, ça fait mal au cœur. Depuis que j'ai du talent, depuis que j'ai du buzz, j'ai grave mal au cœur. 77 de QI, le médecin m'a dit que j'étais trop con. Je suis dans le taré, dans le cocon. On a des meurs, si nous toquons. 77 de QI, le médecin m'a dit que j'étais trop con. Et maintenant, vous allez tous faire une imitation de quelqu'un. Alexandre, on commence par toi, tu imites tes couilles. Pourquoi tu veux les burgers à. Les burgers à pas. Comme à chaque fois ils ont. À pas. Ok. Non, c'est pas le. Ok, j'arrive lutte comme Diable, j'arrive en armure. Comme Diable. Ah, mec, cagé sur les murs les noms des mecs du squat. Dans la lutte comme Diable. Pas encore. Je vais devoir mettre cette musique pour une transition et j'aime pas trop cette musique, du coup ça me fait chier. Ouais, non, mais t'es pas obligé de la mettre. T'es pas obligé de la mettre, hein. Tu peux mettre. Tu peux mettre Princesse. J'arrive luxe comme. J'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont courés dans la hure comme Yams. Voilà. J'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Des croissants de lune sur la chaîne ou des magaines David. Fachote à la haine, on a maqué ta fille. Avec Uxer quand on maquette un feat, j'y mets la beuh dans le pot de Hagen Dazvid. Je ne suis pas là, j'arrive pas à lire, je suis pas là en 6ème. Bref, qu'est-ce qui se passe? Annecy, super ville. Mais il y a toujours des gens qui ne respectent pas. C'est vrai qu'il a mis un papier par terre tout à l'heure. Voilà. J'ai pas fait exprès. Hein. Voilà. C'est son excuse. Les nazis, je vais m'arrêter là. Midas, c'est de l'anglais. Ah oui, mais putain, oui. Qui a le plus Midas entre nous? Genre le cul noyau. Bah, c'est qui a le plus flasque en gros. Moi, j'ai un cul ferme, mais tout petit. Ouais, moi aussi. Moi j'ai un petit cul bombé. Bah, ouais. T'as tous le même cul, quoi. Noah. C'est Noah qui a mis des fleurs, ouais. Ce soir, on va en boîte. Ouais, c'est vrai. Malo, t'es le goat. J'ai accès à mes avocats à tout instant.
Est-ce que tu dois imiter Apolline? Coucou Maca. Ferrugia. Ferrugia, ouais, Ferrugia, vas-y, team Ferrugia. J'ai pas envie d'imiter Ferrugia. T'imites Ferrugia, t'im. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Frère, je vais pas aller dans la de Louis, là. Qu'est-ce que vous me faites? Va chercher tes Vomero 5. Salut les gars. Salut. Oh bah ça, j'ai été accepté à l'élec, tu bisous. Mais fais pas ça, hein. Si, fais ça. Si, non, fais toi, ça. Toi, tu fais pas, oui, ça, toi. Fais ça. Ah, pour ça, je fais pas ça à toi. Tu fais pas ça à toi. Imite Zach. Salut, moi c'est Zach. Je suis sur ma trottinette là. Alors, je sais pas si vous savez, mais en fait, je suis super riche. Toi, t'es une merde, Louis Guéraud. Toi, t'es une merde. Toi aussi, t'es une merde. T'es moins riche que moi, je m'en fous, t'es une merde. Je baisse des meufs. T'imites Anna, celle que tu veux. Je me suis fait quitter par 1500 mecs, donc j'ai choisi un problème de 10 pages de merde. C'est parti. Alors, les 64% des gens, ils sont homophobes. Les restes, c'est ok. Mais parmi ces 15%, il y a 10%. Ils sont quoi? Un peu gay. Le 5%, c'est les vrais Chad, je les adore. Toi, t'as compris, t'as un avis? Ok, super, on passe. Louis, ta gueule. Hop. Tu m'as menti hier soir, Louis, hein? Tu m'as menti, hein? Tu m'as menti. Et là, 3h du matin. Je vous ai vu, sur ça. Ah, pour aussi la vie, HP aussi. Limite, toi qui fais un rêve érotique en seconde. Non, censuré. Oh, non, censuré. Arrête. Oh, non. Oh, le monteur avec les arrêtes, frère. Arrête. Bewish. Bewish. Mais qu'est-ce qui se passe là? Imite-moi, t'imites Titus. Allez, viens. Non, allez, viens. Tu dois faire un son en une heure. C'est la fête de mes parents. Viens là. Vas-y, chante. Chante pour les gens là. Ouais, c'est tu sais, street pour tes 20 biches. T'attendras un peu pour le 15 titre. Depuis, t'as cru que ça allait être drap. Oh, reprends le son là. Allez, on va embêter Théo. Ramène-toi, on va embêter Théo. Assieds-toi. Regarde, c'est Théo avec eux là. Toi, t'es Théo. Regardez, ok, expérience avec TikTok. Salut, Louis. Non, allez, voilà. C'est TikTok Man! Regardez-le! Aujourd'hui, on va couper les cheveux de TikTok Man! Ah si, y'a Titus par où il fait? Louis, t'amuses un peu, ta gueule, Titus! Bon, non, mais ça se fait pas, elle dort là, non? Il dépose un dinosaure devant Chapelle. Anna! Mais merde, tu t'as vite! Anna! Il mite. Lily. Salut mec. Ça va tranquille? Ouais, Poppy, c'est un rigolo. Ouais, j'imagine tout le temps marcher comme ça. Salut mec. Oh, c'est la question. Je pense qu'il marche vraiment comme ça. Après, moi c'est Zouk-Zouki. Ouais. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah. Je sais pas, c'est Lily. À demain. Bonne nuit, Will. Bonne nuit, Will. Dormez bien. Merci. Noah, qu'est-ce que je te dis? Bonne nuit. Là, on dirait que je vais nous lâcher. Non, pas du tout, frère. C'est une dinguerie, frère. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Mais non, mais on dit que ça. Bon, tu veux dire quoi? Bah, je sais pas, il y a peut-être un petit compte rendu et tout. Vas-y, récap ta journée un peu. Salut, c'est Noah Burget. Alors, j'ai pas dit qu'on est arrivé à Annecy, on a toujours pas fait de vidéo pour ça, mais on est arrivé à Annecy. Sinon, c'était comment? Super sympa, tout le monde s'est bien entendu. Hugo commence un peu à développer un trop plein de moi au bout de 2 heures de route. Deux, simplement deux. Comme au 4. Genre, 1, 2, 3! Lui, c'était simplement deux. Vraiment, simplement deux. C'était moins de deux. C'était vraiment 30 minutes. Ouais. Longue histoire, on arrive. Bah en fait on arrive pas parce qu'il fallait attendre 16 heures. On s'est baladé, on s'est fait baiser par un tacos à 13 euros. Honnêtement, Zelda tu es une folle. Et moi faut que je donne mon ressenti. Ouais. Alors je sais pas quelle version il y aura. Peut-être que je vais prendre le contrôle de toute Menace City un jour, on sait pas. Mais en tout cas, si la version originale sort, je suis ouvert aux questions.
Ne vous imaginez pas que c'est la vraie vie, hein. Eh, on est là pour le content ? Content. On est là pour le content, tout le monde est ? Content. C'est la maison du ? Content. Il y a la deuxième version du freestyle. Enfin, du poème. C'est un freestyle. Sur une minute de rap. J'espère que ça ne sortira jamais. Si. Regardez, je mets mon doigt ici, ça ne sortira jamais. Il va sortir. Et par rapport à, du coup, à ton message à ta butinée. Mais c'est fake. Non mais Tom Chabot est un menteur. Ils veulent me kidnapper. Arrêtez, d'accord. C'est que des rimes. C'est que des rimes. Non, non, non. Comment ça va le vlog? Ça c'est mieux que vos réveils, hein. Enculé, putain. Ignoble, frère. C'est ignoble. Ouais, c'est toi qui zoupe, t'es meilleur que ça. Et comment t'as vu les trucs? Tu avais fait quoi d'Alexo? Tu l'as fait manger? Et comment t'as vu les trucs qu'il faut? Non, mais il va pas chanter sur du tricot. Le mec a 10 ans de décalage. Ça fait 15 minutes, hein. J'ai la femme discrète. Non mais pas un son officiel ça, qu'est-ce que tu me fais? C'est la version acoustique de Tiakola. Mais non, c'est la version acoustique du Bouscapé 1 heure. Tu veux un bol chocolate ou tu veux un bol pas chocolate? Ah, chocolate. Le café à bison. Le café à Star. Et le café, il se rend pas compte à quel point c'est trop bien le café à Star là. Ouais, est-ce que tu peux me sortir une cuillère s'il te plaît, d'affiche? Fils de pute, il est dans un chat, mon frère. Mais non, du coup. Non, mais t'entends ce qu'il fait là-dessus. Ouais, j'ai eu la balle avec du pin. Prendre la place. Alors, il y a avec Menda. Là, c'est les préquels de la soirée. Ouais, moi, c'est ça. Ah, quand t'es rentré de boîte, oui, t'en as fait du boucan, hein. Bien envoyé, c'est pas Louis. Non, il s'appelle pas Louis, il s'appelle genre Carter. C'est lui un super gars. Putain, c'est battu, les gars. Le désespoir dans ses yeux. Moi, allez vous faire foutre le capitalisme. Donc, t'as toute ta vie pour tes gosses et tes gosses. Sont des connards. Et ta mère c'est une pute et ta meuf c'est une pute et c'est. Regardez vos bingos. Carter Schwen. Carter c'était mon nom. Noah. C'est américain Noah. Dylano. Dylano. Attends, c'est à moustache mexicain, il a un petit côté mexicain, tu vois. Ah putain, c'est le mec cliché qu'on voit. Ouais. José. C'est José. Pedro, sinon, hein, sinon on l'appelle vraiment Pedro. Oui. Pedro, c'est parfait. Mais il est vite, ouais. En fait, une fois, physiquement, je suis vite. T'as vu, Mick? Qu'est-ce que tu mets? Genre, ne montrez jamais ce rêve à Apolline. Ouais. Est-ce que ça couvre? Bah, ça va, je suis pas. Non, mais tant que ça va. C'est vrai. Ne montrez jamais ça à Périne. Je suis Périne. Le content. Le content, tout le monde est content, c'est la maison du. Oh non! Et après, il y a la torteuse qui dit la lèvre. Négo! C'est ce génial, c'est drôle. Mais madame Midorino, c'est un raciste de merde. Madame Midorino, nique ta mère! Ne montre jamais ça à madame Midorino. Ne montre jamais ça à Valentin Laperrière. T'appelles le blog Valentin Laperrière, point Alucine. Ouais. En 2016, avec Valentin Laperrière qui tombe dans tous les sens en 3D comme ça. Avec une musique genre grappe de bœuf. Je me dis, pourquoi ça a mis une musique sur grappe de bœuf? Tu l'appelles Distrax ou Zouzouki.
pardon. Si, il faut le temps de faire. Après, on peut briser l'art, quoi. Ouais. Je te donne bien de brûler un tableau pour briser l'art. Ou casser une statue. Ou un livre. Un menton. Genre. Je suis pas le cas, frère. Des One Piece. Un millénial sur la chair. Bon, je pense au début très peu. Bah, en fait, à mon avis, la durée va dissuader des gens. Ah bah, je crois que tout le monde, juste tout le monde va dissuader. Même Hugo. Big up tes goûts. Big up tes goûts. 2K23, le coup, je suis hypé. On sait les lunettes Versace. J'cala dans la fée féroma. Mon paddle sur les vagues d'Aloma. Que ça m'y donne trop, le foot a changé. L'amener dans les dents du grinder. Chargé à coup de next ou match sur Tinder. Jacques et Ron mélange aux fruits du dragon. On fout des tentes dans un lagon. Tous les petits d'Athès ils sont sous ballon. Je préfère drink des mojitos au citron. Toi pas le rap c'est énergie. Pardon. 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 Ouais, vous êtes pas rentré avec Pauline. J'ai jamais Tu peux imiter moi un nouvel an. Apolline. Oui, Apolline. Ah. Et sinon, attends. Théo maître Jean. Apolline, on peut faire les photos. On refilmera pas cette scène. Yeah. Faut changer de Théo. Je fais un gros caca les frères. J'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît pas, bah je suis pas drôle, vous savez déjà. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait des références, ce que tu viens de dire là. Ah, Zoé Garcia. Deux filles très sympas de Nancy. Curtis. Non, Alfred le GOAT. J'espère que tu vas réussir ton année l'année prochaine. J'espère qu'il verra le vlog. Quoi? J'espère qu'il verra ce vlog. Je pense pas mais... Et Justine, la voisine d'Alexandre, ouais. Il veut la baiser, ouais. Et Lucie Baron. Mais Louis Street aussi, quand il voulait la mettre en fond d'écran, tu sais, avec ses seins là, il voulait fond d'écran là, comme ça. Par Pitux. Non, mais t'es complètement malade. C'est Mick qui l'a dit, et c'est universel. Tous ceux qui disent par Pitux. Ne jamais dire par Pitux, Noah, tu toujours répètes. Pitux, par Noah, toujours. Et toujours. Bah arrête. T'es malade, putain, mais je le dis toujours. Arrête. Bon bah voilà, c'est la fin de notre petite nuit dans ce Airbnb. Là il est actuellement 10h-10 et on va partir. Voilà. On va aller acheter un. On est triste. Voilà, on est tellement triste. Là on est un peu abattu quand même parce qu'on a passé une bonne nuit. On est un peu choc-barre de l'émotion. Normalement il faut se laisser une heure mais. Non, t'inquiète, c'est Kelly West. C'est Kelly West. C'est Kelly West. Quand c'est Durant. Oh non, ils ont tué Kelly West. C'est Durant, frère. Elle a validé son année, elle était toute contente. Bravo à Capitaine Ferrand, elle a validé son année. Mais très contente. Mais par contre, on se croit pas en TD l'année prochaine. On se croit pas en TD, je serai pas avec elle. Salut Maurice. Mama put me out at only 14, so I start selling crack cocaine and codeine. Time to stack some paper, I gotta do it. Quit thinking I'm a juvenile, but they don't know who they messing with. Yeah, my mama's only son, but I live every day like it's my motherfucking last one. Every nigga in they mama asking why, but I'm in the game, live by the game, and in the game I'ma die. Non, parce que bon, tu seras pas la meuf que tu kiffais, donc comme ça tu pourras pas le mettre dans le vlog. Malo, non, pas Malo. Malo, t'es où? Malo. Elle vient s'excuser parce que tu lui avais fait peur, les gars, fait pardon. The only thing promised to a player is the penitentiary. So I'ma take care of my business on the smooth tip. Watch my back selling crack and pack two clips. And when you think about that, you say it'll be on. It's a trip you're here today, but the next day you're gone. One day you're here, baby. Do that. Then you're gone. Okay. Vous avez senti quelque chose derrière?
Arias. On arrive. Il y a du monde. On est Jossman. À chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois, j'en ai l'occasion. Aujourd'hui, aujourd'hui comme si on n'avait pas déjà filmé une heure. Mais là, je pense que c'est vraiment une plage qui a été privatisée par Zach. Et juste, oui, il a installé tous ses fans. Et là, c'est vraiment. Là, on est vraiment. Ne me dis pas que ces gens sont pas faux. Hein. On est dans une série Disney Channel. Essaye de les toucher pour voir. Tous ces gens sont des acteurs payés. Il faut qu'on touche quelqu'un pour savoir. Le film des enfants maillots. Ouais, OG sur la côte, les yeux sur la mer, emoji sur les jaunes. J'ai cédé à l'amour, c'est le début, tout est bien. C'est l'été, c'est dangereux, je sais pouvoir, je m'abonne. Parfait danser quand je veux. Au bord de la piscine, je te vois danser sur ce son au soleil. L'égalité libérale, c'est ce qu'on peut, définir comme ça, Louis. Je sais pas comment ils l'ont dit, les alliés à côté. Un avis sur le socialisme. Lequel? Vraiment, là, le principe de socialisme. De changer la société. Le socialisme. De changer la société, le principe, non, de socialisme de base. D'être proche de. Ou alors le socialisme de gauche. Non, le socialisme de gauche. C'est très cool. Okay. Alexandre, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est utopique. Okay. C'est sympa, hein, c'est sûr, sur le papier. Le socialisme, hein, c'est utopique. Bah, bien sûr. Putain, les mecs de gauche se sont déjà fait chier à construire un truc avec le socialisme, c'est toujours utopique. C'est chiant quand même. C'est fou, vous avez pas dit avec un truc bizarre. Troisième calage. Ah merde, je suis con, j'ai juste cassé ça. Bab, tu filmes longtemps. T'es rentré tout foncé, sourire foncé, tu fatigues. Oh fils de pute, c'est 50, pas 30 là. On l'a fait ça sur un pute, ça peut changer dans la minute. Chali, je constate peu de changement chaque année. Moi je ne vote pas vu que le diable a déjà gagné. Jamais. Quand les touristes ont les sacs Gabbana, les blédards sont rapides comme Stéphane Diagana. Ça parle de Punta Cana. N'importe quel mec peut foutre sa calache sous sa cana. Da goose da. Jacques et les ragots vont finir dans le magot. Bang bang dans le pectoral gauche. Hux est en feu mais se monte dans les ragots. Dans les ragots. L5, merci la gauche pour les chips. Mais ça a des super bâtiments dans le style, brutaliste. Comme celui derrière là. C'est super. Ouais, voilà lui là. C'est le style que j'ai appris récemment à Noah. Moi j'aime beaucoup. Noah, c'est le brutalisme. Ouais, mais justement, on parlait de l'architecture la dernière fois. Oui. Ouais. Ah oui, on parlait de quoi? J'étais qu'avec. Bon con, ma part. Alexandre, j'ai l'impression qu'il va poser des PV. Genre, il a un peu des lunettes de Bakke. Alexandre? Ouais, mais il pose des PV. Il a des lunettes de Bakke, c'est une fan d'agri. Bien. On n'est pas des anges, juste des bénévoles. Je m'en au taxi français. Eh, hey, juste tais-toi et voilà. Et New York Cave, c'est une navet quand même. Je suis comme dans Snowpiercer. Louis, est-ce que tu penses que c'est un coup de la matrice, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, mais en Savoie? Oh! Non, mais t'es. Fais attention, il y a des gens en vélo. Je voulais aller prider aujourd'hui. Fais 2-3 barbita, barbita, mon bar. Oh, moment malo. À la qui pas, fais 2-3 barbita, barbita, mon baveu, à la qui pas. Je suis Gary's Boy, laissez-moi tranquille. Ça va bien se passer tous les deux. Ne vous inquiétez pas, citoyens, je veille sur vous. Tu parles, mais. Ah! Donne-la, Guilhem. Allez, ça va. À température suffisante? Température agréable. Ça veut dire qu'elle est à 35. Oui, Bruno est vraiment à la 40. Non, non, vraiment, je vous jure, la température est agréable. Tiens, donne-moi le vlog, je les emmène. Allez hop. J'avais besoin d'un moment d'intimité. J'avais besoin d'un moment d'intimité avec vous. On va marcher. Regardez-moi cette eau. Regardez-moi ça.
Est-ce que c'est pas agréable? Est-ce que c'est pas agréable la vie? Oh bah c'est comme ça jusqu'à octobre. Regardez-moi ce paysage magnifique, c'est le même qu'hier. Mais il est quand même très beau. Il est super beau. Il a toujours pas passé le PDC. Il va peut-être le faire bientôt. J'espère, mais je suis quelqu'un de très frileux. Voilà. En full détente. Il faut que l'eau soit à 35 pour qu'il se baigne. Voilà. Avec son beau torse. ASP comme Stéphou et Aïla. Ouais. Mais voilà, regarde ce que ça m'a payé le projet. Les vacances. Le sable blanc. Ouais. Super bien. Et pourquoi il y a ton garde du corps là-bas avec sa lunette de backup? Je sais pas. Garde du corps. Un petit mot garde du corps. Comme dans les vlogs de Big Floly pour les Yankees du cirque, regardez. Ça la pince. Hey, oh. C'est ma main moi. Non. Rends-moi là. Non. Il est à l'eau. Dilemme. Oui. Avec le petit filet de mort, tu l'as le filet de mort? J'espère que tu l'as ce filet de mort. Attention, attends, regarde. Putain, reste bien, transition. Transition Christian Bale. Oh, il s'est saucé un peu là. Oh, et en plus, il y a le filet de mort qui est parti. L'honnête réaction. Oh. Alexandre, honnête réaction. C'est toi Guilhem, ça comment? Et ça, c'est toujours moi. La scène dégueulasse. De sable. Je fais un plan. Faites pas ça à la maison. Faites pas ça à la maison, arrêtez. Hein. Surtout, ça peut être dangereux. Non, ça va. On a des publics sensibles. Hein. Et voilà. Et après, tu remets ton pied dans l'eau. Oui. J'ai cru que ça s'était infecté, j'ai eu un peu peur, c'est bon. Genre sur le panneau. Attends, j'ai ça sur l'autre côté, non, c'est bon. Hop là, parfait. Et voilà. T'as un mot sur l'affaire DSK? Bon, on était jeunes et franchement, je crois qu'il a détruit la vie de pas mal de meufs. Après, ils ont gagné des sous, c'est nul à chier, donc comme réparation, mais c'est... C'est le divin qui s'occupera du reste. Okay, ah oui, c'est bien, je pense que c'est là, débat. On a chaud. Salut, maman, salut, oui. Papa, Tom, tout ça. Je parle du petit frère de lui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On était petit après-midi à la plage.
On a fait la plage des Brunes, vous avez vu des images. Là, bah, on va sur un petit truc en hauteur un peu sympa. Peut-être qu'il y aura des images stylées avec un petit coucher de soleil, pourquoi pas. Allez, le coucher de soleil, tu peux te le foutre au cul, je crois. Voilà. Et voilà, c'était la journée. Il a fait chaud, très chaud. Ah non, mais ils ont. Et Hugo est une salope, il se baigne pas du tout assez. Il s'est baigné une fois, 10 secondes. Everybody got problems, yeah, but waiting no more way to solve them. I really came up from the bottom, struggling my mama on the last dollar. Hustling, man, I've been putting in these hours. The government been trying to take it where it's ours. Really all about the money and the power. I just wanna see my people in power. Tell me how we gon' shape this vision. Complaining all day but in the same condition. If you wanna make change, it's gon' take commitment. Some people enslaved by their religion. Can't emancipate the fundamental principles. When I see through optics, transform the wisdom. Watch me use my prophets, get them on the listen. I've been on a mission. And I really can't take it no more. Moi aussi je suis heureux. Ah, je suis heureux là. On est tous heureux, c'est très beau, on est dans un endroit très beau. Ouais, c'est vraiment beau. Des chalets, des bons spots. Bah, on est yimbe. Des chalets, des bons spots, on va faire de la ride. Je suis heureux. Il y a des bons spots. Je pense à la mort. Pourquoi? Parce que je suis heureux. C'est vrai que tu fais ça toi. Voilà. Nouveau titre, je suis heureux, je pense à la mort. Je crois qu'on peut aller voir le live. Regardez-moi. Ok, ouais. Ah, non, mais pour là, il se plaint parce qu'il doit épicer, après ça, il doit aller boire de l'eau, après il doit faire ses trucs. Oui, je dois prendre 4 douches dans la même journée. Oui, mes cheveux, tiens, viens que je mets de la laque, de l'eau, de la laque, de l'eau, de la laque. Tiens à dire que j'ai cru mourir 4 fois sur la route. Oh, t'as de la sauce tomate là. Ah ouais. Spaghetti, bon appétit. Spaghetti, bon appétit. Guilhem, un avis Sur le spaghetti. Non, sur ça. C'est comme moi en flou derrière tes cheveux. T'as bien fermé, Swill. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Ouais. Sur la route. La route, c'est infâme. Par pitié, ne faites plus jamais ça. Message aux autorités françaises, abolissez. Laissez la nature, quoi. Laissez la nature tranquille. Ah bah, rendez-vous demain dans la vallée du Gazivolo. On prend un petit sandwich de Mauberne, au cuir aux cerises, et puis on y va, quoi. Moi, je te le dis. Mais attendez, mais il manquerait pas quelqu'un, là, les gars? Je crois bien qu'il manque. Qui manque qui? Alexandre. Eh oui, les amis, il est là. De la voiture. Comment vas-tu? Comment était le voyage? Bah, j'ai un peu dormi, je crois. Ouais. Ah non, en vrai, j'ai somnolé. Mais... Et la vue? La vue là. Après, la vue de mes paupières fermées était pas mal aussi. Ok. Honnêtement, même pour 9 balles, on a genre. Alors, Alexandre avait mis la bonne idée, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est une bonne idée de manger ici. Ouais. Et de partir. On peut quand même voir ça là-bas, quoi. Ce qui est quand même magnifique, effectivement. Et après, on a vu les prix. On a vu les prix. Et c'est franchement, nul. C'était. Ouais. Et franchement, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Enfin, à mon humble opinion. Après, peut-être que dans 20 minutes, tous vous nous voyez manger là-bas. Fort lac, la bande de fils de pute. Bande d'arnaqueurs. Bon, je vous le dis, je vous pisse tous au cul, vous êtes pas réel aussi. Voilà, ça, alors ça c'est Guilhem. Je viens. Que ce soit à Dijon, à Annecy, dans une ville fausse ou quoi. Voilà, nous on était là-bas. Sauf que j'en sais rien. Putain, c'est où qu'on était? Noah, c'est où qu'on était? C'est là-bas, hein. Par rapport à son doigt. Là-haut. Ouais, t'es bien. Ah, là-haut. Vers l'autre chalet là. Là, ouais. Suis mon doigt. On va aller là-haut. Et on a 1h30 pour le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on en est. Je rappelle qu'on a ce type avec nous. C'est pas trop un monteur, quoi. C'est pas un grimpeur. C'est pas le maillot à poids, quoi. Non. Des fois, ça met juste un petit. Mais en fait. C'est une belle région. Oui, c'est sympa. Effectivement. Si je tombe pendant la nuit. Super, c'est bon. On est vraiment. On va squatter son bar-restaurant pour pas y aller. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne sera pas. Tu es trop recruté, ils prennent pour qui? Là, on est des prolos. Ouais. Pour qui, moi? Ils prennent pour qui? Tu es trop recruté.
C'est des malades, écoutez-moi bien les gens de la montagne, vous êtes des arnaqueurs, des voleurs et vous n'êtes même pas réels. C'est le personnage principal du vlog. Putain mais la qualité est folle. Ouais mais c'est dingue là. Allez on est gang un peu s'il vous plaît. Mais c'est putain, bon quel fils de pute bon derrière. Attends, non, il y a l'autre. Mais l'autre fils de pute derrière a tout gâché. Oh, tiens, non, mais c'est pas le chien qui va prendre le lit du vlog. Arrête. Tu vas rentrer à Dijon là. Ah, moi je vais au Mont-Afrique, j'ai la même vue, les gars. Mais ta gueule, t'as pas quitté Dijon depuis 19 ans. Mais le Mont-Afrique, c'est à Dijon. Le Mont-Afrique à petit. Je connais pas. C'est vrai. Hey, non, je connais pas le Mont-Afrique. Qu'est-ce que t'as là? Bam, 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 bam. Je suis piqué. Tu connais le mot Afrique? Tu connais, ouais, le mot Afrique, toi? Non. Et vous, les abonnés, est-ce que vous connaissez le mot Afrique? C'est pas une histoire d'abonnés, putain. C'est des spectateurs. Je sais pas, j'ai envie de les appeler les abonnés. En tout cas, si vous nous faites percer, on pourra faire d'autres vlogs comme ça, donc oubliez pas de soutenir. Allez, c'est pas moi qui parle, hein, faut arrêter de me cadrer moi, c'est pas moi qui parle. T'inquiète. Si c'est lui qui parle. Regardez, c'est lui qui parle. C'est je suis Jeff Padaclock. Putain, tu le fais très mal. Non mais arrête, putain, mais donne pas les battes. J'espère que vous kiffez. Spider-Man! Mais non, il n'y a pas Spider-Man. Bah si, je l'ai vu là-bas. Prouvé plusieurs fois. Mais Malo n'est pas juif. Malo n'est pas juif. Simone, c'est quoi Simone? Pour tous ceux qui le pensaient, là, les buffos. Simone, c'est tous quoi ceux qui pensaient qu'on Malo, est... Malo est plus proche de Pop Smoke que d'un juif. T'es en train de dire qu'il est plus noir que juif? Bah non, mais parce que Simone, c'est proche de Simoke. Et c'est un peu PLK. Mais si, mais mec, bien sûr qu'on peut monter en haut. Guette les contours, guette les contours. Sur les Helvètes. Guette les contours. T'as jamais vu Asterix sur les Helvètes? Ah ouais, chaud, sa mère. Oh, ah non, chaud. Attends, il a des trucs dans les T'HPI, hein. Oui, je pense. C'est pas bien. Pas bien de se moquer des gens, mais... Au truc, hein. Moi, je respecte. Hein. D'avoir confiance en quelque chose comme ça, ça c'est fou. Ah, vous entendez Louis Street à Pauline. Ouais, voilà, Louis Street à Pauline. C'est Roja aussi. Voilà, quoi. C'est tout, tu as trois blazes à sortir. Ouais, bah, Sofiane. Hanna, pardon, qui est juive. J'ai fait à peu près toutes les religions. Sofiane, oui, Sofiane Muscu. Lui, on s'en fout, de toute façon, c'est pas toi qui va donner la lignée des juifs, c'est ta sœur. T'as pas de sœur. Ah oui, bah oui. Tu sais, oui, ce qu'on devrait faire, je pense, quand on coupe le prépu du gosse, on devrait le donner à un animal. Le prépu. Genre le manger, ou donner, ou genre le faire cuire à la broche. Ça se mange pas, ça se conserve. Il y en a qui le mangent. Voilà, que ça se conserve. Non, mais on le conserve par contre. Oui, ça, mais ça se conserve. Mais du coup, je devrais. Pourquoi vous faites un petit barbecue, un petit truc, quoi. Il y en a qui le mangent. Vous savez, la viande, ça commence à coûter cher. Et puis. Tu sais que c'est un prépuce, y a rien, frère. Bah ouais, c'est une petite peau élastique, mais. Bah ouais, bah ça c'est un petit chewing. Ça fait les dents au gosse, tu lui donnes un an plus tard. C'est la taille d'un Skittles. Pauvre gosse avec sa petite bite. C'est vrai, ça lui coupe la teub, frère. Le mec il comme ça, sa teub. Alexandre, le seul circoncis ici. Depuis sa reconversion à l'islam. D'ailleurs, je l'appelle encore sa Alexandre. Sa reconversion, carrément. Non, sa conversion. J'ai dit sa conversion. Après sa conversion à l'islam. D'ailleurs, il a changé de prénom. Je l'appelle encore Alexandre, alors que non, son nouveau nom, c'est Abraham. Abraham, c'est non, c'est juif. C'est juif, ça marche pas. Elle vote Le Pen, donc bon. Elle est avec nous. Mais non. Ah si. Mais Zoé. Non. Ah si, hein. Mais non. C'est une pote qui vote Le Pen. Non, mais non, mais non. Elle l'a jamais voté encore. Pas encore, tu le fais pas, hein. Tu le fais pas, c'était une blague, j'espère quand tu nous l'as dit que c'était une blague. Hein. Son mec il a voté Le Pen? Je sais pas. Anto, tu sais Anto. C'est très bien. Non, je sais pas. Je peux plus répondre à vos questions. J'adore les bébés. Ah là on est bien. Alors quoi? Bah, coucou Berka. Mais non, fais ta périne un peu là, fais ta périne. Alors, pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Voilà. Il a l'air con. Ah, il a l'air con, hein. Ah oui. On n'entend pas. Avis daron algérien des années 60, Ferrouja, je sais que tu vas voir ce vlog. La stache mou. Ouais, oh, c'est de pute. Putain, je déteste quand les gens font ça. Ah, voilà, pardon, non, mais Louis, on s'est pas fait de bisous pendant le vlog. Ah oui, c'est vrai, bon, attends. La montagne, attendez. Voilà, comme ça. Tout mignon, allez, hop, les. Regardez-vous dans les yeux. Moi, je suis. Tu peux plus prendre le trompe le saut. Et vous ferez un petit truc au mode droit. Je suis senti insensible. On aurait pu vivre nos fraîchettes sarcelles. Félix, sa mère. Jetbox. D'un froid polaire. Je suis dans le vrai, je suis dans un polar. J'ai le rap français entre les molaires. Je. Les chiffres, mais quand t'as un crâne, tu sois.
avec Alfred on vend cette merde. Les médias dans leur belle équipe, tous les jours on se rend pas qu'elle écrit. Quand les chiffres nous mentent ça revient électrique. J'avais les pieds dans le merco, les pieds dans le merco sport. J'pille le casino, nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Pourquoi on a une Alfa Romeo ? Pourquoi on a une Alfa Romeo ? Parce que je pense que la Punto de Guilhem, que vous connaissez pas, mais elle a un peu cabossé, je pense que ses parents étaient en mode bah pas ouf de quoi, d'avoir une voiture cabossée. Pour la Punto ? Non, alors en fait, alors il y a ça, mais aussi que c'est une vieille voiture, genre elle a quoi, 20 ans. Et là, t'as vu les grosses montées qu'on a faites, bah je peux te dire qu'avec 5 connards dans la voiture, elle aurait pas juste pas avancé. Et du coup, expliquez pourquoi on a une Alfa Romeo du coup ? Ah, attends. Viens là, on va contrer. Alors aujourd'hui, on va pimper ta caisse. On est passé d'une Punto à une Alfa Romeo, ça rime. Donc, pourquoi on a ça ? Bah, parce qu'on m'a demandé. Et j'ai dit, ok, je demande à mon frère. Mon frère qui s'est cassé la patte. Pas mal de gens le savent, mais il s'est cassé la patte. Et juste, il a une voiture. Et du coup, j'étais en mode, bah, je vais lui demander. On a une Alfa Romeo. Full cuir ! Tout vêtu de cuir ! Et du coup, bah, on a une petite Alfa Romeo. Elle est un peu cassée parfois à des endroits. Impossible de baisser la fenêtre, par exemple. Les vitesses sont très longues. Faudra demander à Guilhem un petit ressenti sur la bagnole, mais les vitesses sont très longues. C'est voilà, c'est pour ça qu'on a une Alfa. Bon, alors les gars, c'est encore dans le jeu. Je suis pas sûr de tenir en place. Ouais, je suis pas sûr parce que vraiment il y a un peu de pente, ils sont plutôt lourds. Il y a du monde. Ouais, mais ça se met un peu. Il y a eu un coup de feu là. C'est toujours aussi cher. C'est toujours autant des gros pistes. Alors après, j'ai pris un truc que j'ai jamais pris de ma vie. McCrispy, je sais pas s'il y a ça à Dijon. Je pense qu'il y a des mecs qui a ça à Dijon. Bah, je pense vraiment qu'il y a ça à Dijon. En tout cas, on est très déçus. Bon, après, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé McDo, donc ça va être bien. Mais putain. Mais putain, vraiment, vraiment, même je m'attendais. Même pas 200 minutes. Après, on est assis. Il y a un jeu entre caméra d'amour et avec son bras, c'est très drôle. Tu vlogs ou tu vlogs pas ? Je pense qu'il vlog. On a fini de manger McDo et là on va setup la voiture et puis tu cadres très mal, hein, c'est fait exprès. Et puis on va repartir. Fin de week-end Annecy. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre week-end Annecy, Raph ? Satisfait ? Très satisfait, je suis satisfait. Franchement, c'est satisfait. Très cool. Bah, la valeur travail. Alexandre Annecy, la vie. Alexandre Annecy. Trop bien, mais fake. C'est vrai que les gens sont fake quand même. 3 Guilhem, 4. Ah, et où c'est comme ça, c'est le jeu. Je prends la question numéro 2 de Hugo. C'est la 4. Moi je prends la 1. Je prends la 2 de Hugo. Ouais, je prends la 3 pour toi. Là, je regarde, bah oui, mais je regarderai pas. Ok, je sais pas si le contexte a bien été mis en place. En fait, là, je vais avoir 4 questions. Je ne sais pas lesquelles, une de chacun que j'ai choisi en disant oui, je veux ta 4, je veux ta 2, je veux ta 3 à tout le monde. Tout le monde a choisi des questions. Et là, du coup, je vais juste devoir répondre à 4 questions que je ne connais pas. Voilà, et bah voilà. Il y aura une question de Hugo, Noah, Guilhem, Alexandre. Je ne sais pas quelle question est de qui. Je dois être le plus honnête possible. Ok, on commence par. Est-ce que tu peux me faire les fesses dans le short sans le short STP ? Marc, il reste pendant le sexe. Oui, je peux te faire ça. Louis et sa nudité, un problème psychologique. Pas du tout, juste t'es drôle d'être nu et aucune pudeur et c'est encore très drôle. Lâche un nom d'une personne dans ta liste rouge. C'est très drôle. Bah. Clarisse Pelletier, personne dont tu as rêvé érotiquement. Bah du coup c'est ma liste rouge, bah, je vais lâcher le nom d'une autre personne et ce sera je sais pas putain. Ouais Lucie. Une fois, je crois. Vraiment enfermé premier degré. C'est bon ? Mais c'est bon. Salut, waiting room, incroyable.
Fun fact, est-ce qu'on est le 23? On est le 23 juillet et c'est la mort de Philippe Pétain. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Voilà, on passe mytho, c'est très très bien. Et fun fact, encore une fois, parce que j'en ajoute plein, comme ça, je les enchaîne. Clotilde, je t'aime. Je sais pas comment te le dire, là, je pense que c'est le bon moment pour te le dire. J'ai déjà dit au pont des amours, mais tu vois, j'étais un peu dans la blague et tout. Non, juste, je t'aime, viens, on se retrouve. Je sais que c'est réciproque, on construit quelque chose ensemble, c'est important. Je t'aime, Clotilde. C'est comme ça, c'est fun fact, c'est rien que pour vous, comme ça. Pitié, de l'air, s'il vous plaît. Ok, Alexandre, tu cliques sur la compte de Noah. Ah, bah attends, je vais te Noah ? Bah, sur la compte de Guilhem, pardon. Ok, oui. Salut à tous. Alors, ouverture des questions. Alors, pourquoi Lily est une meilleure héritière de Mick que Louis ? Soyons honnêtes. Louis, il a essayé de reprendre un rôle. C'est un peu fake, on sent que c'est pas authentique. Lily, c'est le gouffisme incarné. Lily, c'est entre tradition et modernité. Elle a une énorme basse électrique dans sa chambre qui est super classe. Mick, c'est joué. Louis, est-ce que c'est joué à un instrument musique? Pas du tout. Petite question, 1v1, Louis Noah, qui explose qui? Complexe. Il y en a un qui est grand, qui est pas très doué. Et un qui est assez grand, mais moins imposant physiquement que Louis. Après, voilà, petit pronostic comme ça, hein. Louis. Ton honnête avis sur ton personnage dans Menace City. Alors mon personnage dans Menace City, pour petit rappel pour les viewers, hein, moi je suis Alfred. Je me fais tuer comme une merde par Noah, toujours en travers la gorge d'ailleurs. Heureusement que j'ai plaidé pour avoir un meilleur rôle parce que sinon je me faisais enculer. Du coup après je deviens un peu cyborg. Un peu genre Iron Man, armure, high-tech. En vrai, moi, ça me va. Genre, c'est tranquille. Ta relation avec Zoukzouki, bizarre, cette question. Grosse relation. Hein. Je pense pas que ça m'était destiné, mais bon, voilà. Zoukzouki, comme ça, l'emoji interdit, j'ai pas le droit de le faire, mais bon, cœur sur toi. Et en fait, on est droite sociale, donc en fait, on est liés. On est intimement liés, en fait, Zoukzouki. Voilà, voilà. Salut, gars. Ah ouais, ça va être nul. Ah. Salut les... Ton style. Ah oui. Non, c'est bon. Salut les meufs. Aïe, putain, mon fils de pute. Aïe. Ah. Bon, bah voilà, on se retrouve, vous et moi. N'oubliez pas de lâcher un pouce sur le vlog. Voilà, j'espère que vous kiffez le content. On se donne à fond pour vous divertir, donc... j'espère que ça vous plaît. Putain, mais... En train de vouloir faire des choses à Cassou. Ah! Putain, ils sont longs! Il est lent ce lait! Oh, petite ambiance cousine entre vous et moi. Noah ou Malo? Malo Simonet? Malo Simoké? Et on te bat parce qu'il y a le coffre d'Alexandre ouvert. Ok, il y a le coffre d'Alexandre. Le coffre d'Alexandre. Alexandre, tu peux fermer ce putain de coffre par pitié? Ok, on est parti. As-tu déjà laqué? Si oui, raconte-nous ton plus gros laquisme. Alors c'est, oui, j'ai déjà laqué, mais c'est une réponse... Oh si, je sais. Alors j'ai déjà laqué, c'était l'été de ma terminale à la première année de fac. Et bah, en gros, il y avait une pote du lycée qui était venue dormir chez WAM. Genre on avait passé la soirée dehors avec des potes et tout. Et après, elle était venue dormir chez WAM, c'était prévu, mais en tout bien, tout honneur, c'était très, très cordial, quoi. Et on savait, enfin pour moi, je savais qu'il n'y aurait rien. Et elle fait que des rêves de cul toute la soirée. Genre vraiment que là, ça y va, tu vois. Et puis voilà quoi, après on rentre chez moi et tout. Et puis on commence à se préparer pour aller se coucher. Et du coup elle va dans mon lit et puis je lui dis bon bah vas-y bonne nuit, je vais dormir dans le lit de ma daronne, donc à l'opposé de la maison. Parce que pour moi, bon bah je voulais dormir, je voulais être confort, tu vois, je voulais prendre mes aises quoi. Et elle me dit ah ouais t'es sûr, tu veux pas venir avec moi? Et là j'arrive, elle fait non. Je ne veux pas. Voilà, Laurie Dumont, si tu passes par là, SO, big up. Peut-être que t'as déjà des gosses, peut-être que t'es morte, mais big up à toi si jamais. Le mec de tes connaissances que tu peux le plus baiser. Je sais pas si ça compte, je vais donner deux réponses, parce que je sais pas si la première ça compte comme une connaissance. Je veux dire Anthony Augusto, le mec de mon TD, parce qu'il avait un sacré boulard, frère, quand il arrive en jogging. Le boulard de zinzin, mais vraiment, t'arrives, c'est là, vas-y, baisse-moi, maman.
je dirais plus Cassou, parce que ce mec me fait des choses, enfin Noah Burger, pour parce que ce mec me fait des choses et que je lui ai posé la main sur la cuisse quand je conduisais, il y a eu une petite alchimie. N'est-il pas le bon moment pour dire que le blog, alors je suppose vlog d'Annecy, surpasse les vlogs du J, et qui est Juju Loviana, qui travaille à Joigny actuellement. Je pense qu'il dépasse tout ce qu'elle a fait en termes de content, et je dirais même que ça dépasse le vlog d'Alicante. Voilà, donc les infos comme, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, vous chiez à la gueule, mais moins qu'à Juliette, parce que Juliette, vraiment là, elle est noyée sous un truc de merde, parce qu'on fait quand même un truc vachement mieux qu'elle. Premier try, je tiens à le dire. Mon ami proche, hein, il y a quelqu'un. Doit-on parfois oublier la morale et vivre comme dans un film? Je suppose que c'est Louis, et du coup je dirais oui, parce que c'est vachement plus drôle. Alors je dirais oui, c'est ça, oui, c'est vachement plus drôle, mais personnellement j'ai pas les couilles de le faire, mais j'apprécie beaucoup les gens qui ont les couilles de le faire. Très drôle, mais attention. Ah ! Allez, voilà, bisous. Ça va l'équipe ? Ça part à la minus 13-33, ça fait 3-3-3 x 2, 6-6-6, vous savez, mes liens avec le satanisme. J'ai vraiment rien à dire. J'ai rien à dire, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Pas très à l'aise face à la caméra. Se mentir que c'est un peu compliqué. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est pas dans le vlog, bah ça a pas de sens de le dire. C'était cool. Un bon petit groupe. Et tout ça, c'est de l'humour, hein, avant tout. Deux minutes d'attente. Les gars, c'est juste un sauna, en fait, cette émission. Oui. Alors. Oh, putain. Oh. Alors, à qui revient de droit? Eh bien, de droit, on parle. La casquette trasher entre Hugo et Noah. Bah, en vrai, de droit, bah, c'est moi. Parce que déjà, je mets plus en skater que lui. Et voilà, globalement, j'ai rien à dire. Cite une personne que t'as eu dans un rêve érotique, évidemment ton partenaire de ce rêve, si t'as pas en vrai. Si t'as pas. Je vais pas lire la suite. Si t'as pas à répondre, comme si t'étais Hugo. C'est ma sœur. Une personne que j'ai eue dans mon rêve érotique, c'est ma sœur. Quel est ton ressenti général sur notre groupe de potes? Très bon ressenti. Ça va pas aller très loin, mais c'est suffisant. Voilà. As-tu une muse dans ta vie? Une seule? Non, c'est impossible. Plusieurs, oui. Ça dépend des périodes. Ouais. C'est important, les muses. Vive l'amour. Fuck la haine. Et fuck le L. Ouah, c'est faux. L'entourage. Voilà. À tout à l'heure. Wesh! Wesh, le vlog. Comment ça va, les refs? Putain, Noah, il avait pas menti quand il avait dit qu'il faisait chaud dans cette voiture. Bon, je vais attendre le temps que tout le monde écrive ses petites questions. Ok, je vois ma vie comme une sorte de démo et que tout en bas de la rive, il y a toutes sortes de démons. J'ai un peu de mal à vivre, mais je suis rempli d'idéaux, envie d'esquiver les vices. J'ai pas croqué dans le trognon. Je veux pas devenir le bien, juste être quelqu'un de mieux. Je veux pas de l'amour tatimpe, mais de l'amour d'une pieuse. Ok, pause, attends, je réfléchis. Je veux pas d'amour tout court, juste des bons amis. J'écoute Taciturne tard le soir. Je suis un peu trop imani pour vivre solo dans le noir. Référence à Dinos, vous avez capté. Solo dans la ville, je révise mes nimpos. Et n'importe quelle femme qui m'aime n'est qu'une conne de trop. J'étais un petit Dark Sasuke en seconde. Parfois la vie est injuste, comme le recal d'une goutte. Ok. Je repars dans mon monde, écouteur capuché. J'entends le ciel qui gronde et mon cœur a lâché. Je suis passé de gentil garçon à bosseur acharné. Je demande plus d'explications. De pardon, j'ai trop fait. Dans ma vie, je n'ai qu'un seul remède. Le sourire de mes proches, ouais, y'a que ça qui m'aide. L'amour, je connais ses vices. Et à que ça que j'aime. Zéu. Perdu dans ma propre démo, elle a brisé mon cœur et je ne ressens plus d'émotion. Perdu, je suis devenu paro, je suis passé au stade 2, je n'ai plus de dévotion. Tout ce que je veux, c'est step up, pas rester au même niveau. Tout ce que je veux, c'est des thunes, de pas rester dans le troupeau. C'est pas vrai, je ne veux plus de thunes, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est des bons amis, comme les 4 qui sont dehors, je les adore. Et après, c'est fini. Voilà, donc au moins, vous avez eu ça, c'est pas mal. C'est quand même super sympa. Ok, bon bah on passe aux questions du coup, après ce petit freestyle. Ok, tu penses pouvoir taper le platine? Alors du coup, pour ceux qui savent pas, le platine c'est un rang sur LOL. Et voilà, il faut savoir qu'en ce moment je suis faire 1, donc c'est le plus bas niveau, c'est vraiment les gros nullos. Et est-ce que je pense un jour taper le platine? Oui. Vais-vous baiser le cul?
je vais vous baiser le cul. Hugo incarnant Perrine, est-ce une simple coïncidence ou le signe d'un destin enflammé suite à la déclaration du pont? Oui. Oui, évidemment, tout ça, c'est juste le fruit de mon amour qui a grandi pendant longtemps à l'intérieur de moi. Et vraiment, je suis vraiment trop content que j'ai enfin pu avouer mes sentiments sur ce pont des amours, comme quoi il a vraiment un effet. Get Moula ou fuck bitches ou brûler l'industrie. Ici, on est team fuck bitches. Ça, Get Moula, encore une fois, ça rejoint le freestyle que j'ai dit, on s'en fout de l'argent. Fuck bitches, ça c'est important, ça c'est ça qui est bien. Ton infocom préféré? Ah là, la question est dure parce que tous les infocoms, je les adore, évidemment. C'est tous évidemment méga T, mais je pense que j'ai un petit attrait pour Tekun, parce que bah Tekun c'est juste mon gars. On a été là avec Swill sur Garus, et puis même après on a suivi toutes ces aventures musicales, etc. On était avec lui et tout, c'était trop bien. Et puis même genre c'était vraiment un chic type, vraiment un bon gars. Mais aussi gros SO à Malo, Tom et Mick, vous êtes vraiment des petites boules de bonheur, vraiment je vous fais des gros cœurs. Après il y a moi aussi, enfin je crois que tu m'as oublié, t'sais. C'est pas grave, après je m'en fous, enfin c'est pas grave, t'sais. C'est des choses qui arrivent. Cool. Mais mon gars, pique tes couilles, c'est toi mon ref. C'est bon les frères, c'est bon. Et c'est fini, séquence émotion de merde. Il aime Mo, malin. Pas loin de la cage d'escalier, certifié par la street et la step. J'ai plutôt le contrôle de police. Photo, je suis sous Jack à devant. Tu me cherches, je vais te trouver, je connais le futur comme un devant. Et tout de suite, c'est l'instant Malo. Hey, salut tout le monde, je remercie Noah de me donner quelques secondes dans ce vlog pour m'exprimer. En fait, je vais m'exprimer, je vais atténuer une polémique, une rumeur qui circule sur moi en ce moment. Comme quoi j'aurais frappé une vieille dame dans la rue. Donc bien sûr c'est faux, c'est totalement faux. Donc c'était hier, en effet il y avait bien une vieille dame dans la rue, etc. Je l'ai insultée, ensuite je l'ai violée, violemment, dans le cul, dans la chatte, tout ce que vous voulez, avec des objets. Elle criait fort, fort, fort. J'ai pris du plaisir à brusquement la violer, mais en aucun cas je l'ai frappée ou j'ai atteint sa condition physique. Donc s'il vous plaît, essayez d'éviter que ces rumeurs se propagent encore plus, parce que c'est pas cool. Et voilà, après c'est moi qui prends, donc voilà. Merci à tous. Le rogatoire, je suis comme ça que je suis trois pédales, les gars. Les gars. L'intro c'est une note audio de lui, juste entre deux rounds de sexe, qui dit merci à mes fans, je vous aime. Elles sont toutes mineures ces fans. Il pense à des mineurs pendant l'entre-round. Vous vous rendez compte de la folie? Merci Noah. Non, parce que rap ça mène. J'ai l'impression qu'on va ultra vite depuis tout à l'heure. Bon bah voilà, on a fait une pause sur l'autoroute. On est bientôt arrivé à Dijon, 25 minutes, la route est dure, la route est longue, on est fatigué, on a mal aux jambes, on est au bout, surtout Guilhem. Ouais. Il est fatigué, en plus il vient de se faire chef là. Oui. On s'est fait chef là pour 2 km/h. Donc ça nous fait rappeler évidemment que fuck la police, fuck les cops et fuck toutes les institutions qui nous mettent des limites. Ici on est pour l'anarchie. Ah donc tu fuck l'industrie. Choque l'industrie. Il a changé par rapport. Non, je fuck l'industrie et ses bitches. Yeah! Ouh! Punchline! Punchline! Ah! Je ne dis rien. Si, si. T'es sûr que ça dit rien? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Pourquoi tu chiales? Pourquoi on est là? Parce que. Ouais! Le gars, décalage! Ouais! Et là, la voiture, elle redémarre pas. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Oh là.
Mais voyage, voyage, pas boulain, hein. Bouffe, voyage est merdique de A à Z. Voilà, je le dis. Ça y est, je pète un câble. Ça y est, c'est rose, je pète un câble. Il pète complètement un câble. Je vais tous vous étrangler, bande de fils de pute. On est jamais tranquille. Cœur, putain, on est à Dijon, fais pas de cœur. On est à Dijon, frère. Mais reprends ton caractère. Fais pas de cœur. C'est bon, j'ai fait le signe de Caris. C'est le simple. On va vraiment rester bloqué 3 mois. Non, il se garde. Ferrugia sera extrêmement. Il repart, il repart. Oh non. Non, regarde. Oh non, oh non, il repart. Oh non, laissez-moi sortir. Le avant est long. Ah. Eh, vous voulez que le vlog dure une heure ou pas? Merde. Bah, il dure déjà 2h30. Ouais, de base, en fait, on voulait pas. On voulait pas trop faire un film. On est bloqué. Non, on est bloqué, c'est oui. On est bloqué. Non, ouvre-nous. Ouvre-nous, Noah. Non, Noah. Oh putain, Noah. Ah, oui. Ah, oui. On a fini, ouais. Je suis fatigué. Je prends la caméra. Ça va, Guilhem? Ressenti après ces 2h30 de route? Fatigué, frère, j'ai envie. On merci tous, Guilhem. Dette moula, fuck bitches, on brûle. Oui, non, on attends, tiens la caméra à toi. On va tous faire un câlin, Guilhem. On fait tous un câlin, n'hésitez pas, Guilhem. D'accord, il a dit que je le faisais, je pense que ça fait pas un câlin. Gots, il nous a conduit, il a tout tenu de A à Z comme un vrai daron. C'est notre daron, Lui, on en parle de ce mec. Est-ce qu'on peut en parler de ce mec qui était devant? Il a servi à rien. Hugo, on te laisse le mot de la fin. Ok, rappelez-vous bien une chose. Tous les jours, les gens d'Annecy sont faux. Le vlog, pardon, le vlog. On avait oublié un deuxième mot de la fin qui est super important. Tous les jours, fuck Perrine. Grippo. Quelques grammes de puff. Je suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. Je suis validé par les refs. Dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de puff. Je veux être légendaire, faut pas finir au ballon. J'ai trop grandi, normal que j'ai le bras long. Je suis déter, je te mets un tendu, tu t'allonges. Gros cul, tiens que sur gros talons. J'arrive dans le game, salé en finesse. Pète au feu, recherche pissilec. Je te dis, je t'aime que pour te la mettre. Bas les couilles d'être le bâtard de l'année. Hache la puff, c'est réel, crois-moi. Tu peux me croiser dans les rues de chez moi. Fonce des écoutes tendues, chez oui. Tout s'achète sauf l'airplay, oui. Marche ou crève ou roule en Chrysler. Yeah, yeah, yeah. Samedi soir, t'as l'air bois du siroc. Ça se barre en couille, jette l'œil comme cyclope. Yeah, 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 tout vient à point à qui sait cuisiner. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de puff. J'suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. J'suis validé par les refs. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de puff. Hein. J'aime plus trop de nouvelles à qui